Wesh l'équipe, ça dit quoi le chat? Est-ce que vous allez bien là? Oh lolo, yo yo la team Rediff, j'espère que vous allez bien les gars. Aïe 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 aïe, sympa, ça fait une petite story. Les amis, c'est maintenant, on va ouvrir ces cartons. On est en live, c'est parti. Rejoignez-nous les gars, tout se passe sur ma chaîne YouTube. Je compte sur vous, je pense que je vais live 2h jusqu'à 21h, c'est carré. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Yo le chat, ça dit quoi les gars? Ça dit quoi la team Notif? Est-ce que vous allez bien là? Yo 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 yo. Coucou. Coucou BG, c'est vous les BG? Michou, tu es le meilleur. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais faut pas mentir par contre. Faut dire que la vérité. Mais merci, c'est gentil. C'est gentil. Yo le Mich, ça dit quoi les gars? Ça dit quoi le chat? Eh, est-ce que vous avez regardé mon portrait 50 minutes inside là? Vous avez vu ou pas mon portrait 50 minutes inside? Il était incroyable, franchement, c'était d'art. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Je l'ai regardé, j'étais en mode oh putain, franchement, je suis vraiment beau gosse quoi. Je me suis maté comme ça, je me disais putain, qu'est-ce que je suis BG quoi, c'est dingue. Ticia, merci pour, ton sub. Merci pour ton sub, ça fait 2 mois. Purée, ça fait plaisir. Yo Michou, comment tu vas? J'ai adoré ton passage dans 50 minutes inside, tu es le boss. Et ben voilà, parfait. Merci Elsa Stich pour tes 2 francs suisses. Cyril, merci pour tes 2 euros. Yo, trop bien le reportage sur TF1. Merci beaucoup, merci Louis pour ton franc suisse. Michou, t'as poussé les muscles? Non, j'ai pas. Non, les gars, j'ai pas encore. Pas encore. Mais vous savez qu'il faut que je reprenne le sport. Vraiment. Faut vraiment que je reprenne le sport, les gars. Parce que là, je vous dis la vérité, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait du sport sérieusement. Ça fait trop longtemps. Il faut que je refasse du sport. Mais même, t'as vu sortir Yuki et tout, tu vois. Avant, quand je sortais Yuki, de temps en temps, je me tapais une déterre et je courais, tu vois. Et comme ça, je courais avec Yuki. Là, j'ai la flemme de tout. Je la sors, je suis en mode hop, on fait ta promenade et je rentre, je me mets dans le canapé. Non, faut que je reprenne le sport. Depuis Danser avec les Stars, là, je suis sur une pente glissante, là. Danser avec les Stars, j'ai tellement eu une surdose de sport, je crois, je suis sur une pente glissante, frérot. Vary, merci pour ton sub. Merci beaucoup, Vary, bienvenue. Tuc Dual, merci pour tes 2 euros, grosse dédicace. Gaëtan, merci pour tes 5 euros. Tellement fier de ton portrait sur TF1. Tu es grand et bravo pour ta claque. Eh les gars, vous avez vu ma story Insta avec, avec Elsa ou pas? J'ai pris une claque, frérot, mais c'était même plus une claque. Je pense que j'ai un cocard. Je pense que j'ai un cocard. Mais vraiment, elle m'a mis une claque, frérot, je l'ai senti passer. Hein. Morgane, merci pour, tes 3 mois de sub. 3e mois de sub, ne change pas, on te kiffe, merci beaucoup. Merci Gamer Tibal aussi, 3 mois de sub. Fatouma, tellement sur tes 2 euros, on voit encore la marque de la gifle sur ta face. Ben oui, mais c'est sûr. C'est sûr, j'ai douillé, j'ai pris une baffe. Après, en même temps, j'ai fait un peu, voilà, j'ai fait un petit peu le fou. J'ai fait un petit peu le fou, on va pas se mytho. Il est de où ton t-shirt? Je sais même pas parce que Nowhere, c'est pas une marque. Je crois que c'est Bershka, je crois que je l'ai commandé sur Bershka. Attends. Shane. C'est Shane, j'ai commandé sur Shane. Ticia, merci pour tes 2 euros. On n'en parle pas, mais ton parcours est incroyable. Merci beaucoup. Les gars, arrêtez de me saucer, s'il vous plaît. Là, depuis tout à l'heure, j'ai trop de messages en mode ouais, Michou, t'es le boss, on t'adore, le portrait incroyable. Arrêtez, les gars. Après, je vais prendre la grosse tête et tout, et ça serait dommage. Les gars, là, j'estime que tu vois, ça va. J'ai réussi à rester moi-même, les pieds sur terre et tout. Mais si vous continuez à me saucer, je vais prendre la grosse tête et on va plus s'en sortir. Donc, voilà. T'es moche, voilà. Bien joué, frérot. C'est le compte de mon tonton, je suis une fille. Ah, ok. Ah, oui, Jean-Michel. Ok, Jean-Michel. Du coup, Jean-Michel, c'est ton tonton. Très bien. T'es en chaussette? Oui, je suis en chaussette, pourquoi? Mais j'ai le droit d'être en chaussette, non? Oh, attendez les gars, je crois que j'ai fait un... Oh, je crois qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Jogo Nike, chaussette Adidas. Ouais, moi je suis un mec comme ça. Mais moi je suis un mec, moi j'ose. Je suis un artiste en fait. Je suis un mec créatif. Donc voilà, Nike, Adidas, hop, je mélange. Eh, je sais, je prends des risques. Je sais que je vais me faire insulter parce que j'ai mis du Nike et du Adidas, mais... Ticia, merci pour tes 1 euro, merci CG pour ton sub, Bastien, merci pour tes 1 euro, merci Axel, merci Tilted Wall. Les amis, eh mais attendez,
Les gars, la coupe. Ah, la coupe la plus lourde de France, la plus grosse coupe de France, elle est là frérot, elle est dans mon studio. J'ai ramené la coupe Clash Royale à la maison, je suis trop heureux frère. Oh, je vais la reposer. Waouh, OK, d'accord. OK. Ouh. Bah là, j'ai fait ma muscu pour aujourd'hui. Hein. Oh, j'ai fait ma muscu pour aujourd'hui. Les amis, eh, mais comme ça dans le studio, elle a l'air petite. Alors que je vous jure, elle est énorme. Oh, j'ai plus de force. Elle est vraiment trop lourde. Mais Yuki dedans. Vous êtes des bâtards. Évidemment que je vais le faire. Évidemment que je vais le faire puisque je suis con. Yuki! Viens, Yuk! Viens! Elle sait qu'il y a un bail là. Elle sait que c'est pas normal. Allez, viens! Viens, Yuki! Ouais! Ouais! Regarde! T'as une nouvelle niche! Oh! Je crois qu'elle est pas. Je crois qu'elle est pas très à l'aise. Assis! Yuki, assis! Bouge pas! C'est bien, bouge pas! Oh! Oh là, c'est trop lourd là! Non, elle va sauter! Elle va sauter! Assis! Oh! Ouais, ça m'a sauté dessus. Bon, voilà, c'est ta nouvelle niche, Yuk. Sache-le, si tu veux, tu peux te poser dedans. Tu peux te poser dedans. Mais j'avoue que Yuki, elle passe dedans si elle veut. C'est ta gamelle. Tu veux que je mette des croquettes de... Oh, imagine. Oh, imagine, je mets des croquettes dedans, frérot. Et ça déborde comme ça. Allez, me rétro. Là, c'est le rêve de Yuki. Le rêve de Yuki, c'est ça. C'est ce trophée rempli de croquettes. C'est son rêve. Nico, merci pour tes 2 euros. Merci Louis pour tes 2 francs suisses. Tu préfères KFC ou KCDQ? C'est quoi KCDQ? Je connais que KFC, frérot. En vrai, je préfère large KFC. Hein. Mec, les Hot Wings KFC, frérot. Les Hot Wings de chez KFC. Mec, c'est un délire, c'est trop bon. Axel, merci Axel pour tes 5 euros. Merci Nico pour tes 2 euros. Emma, merci pour tes 2 euros. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud. 7000 pouces bleus, ils sont où les 10 000 là? Ils sont où les 10 000 likes? Les gars! Le chat, ils sont où les pouces bleus? Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour rien. J'ai reçu ces petits colis des États-Unis. Et oui, je les ai commandés. Regardez, attention. J'ai commandé ça sur eBay. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. À votre avis, il y a quoi à l'intérieur? Mec! Quand même, j'ai reçu des colis des États-Unis, frérot. Dis-toi que ces colis là, ils viennent des États-Unis. Même moi, je suis pas allé aux États-Unis. Le colis vient des États-Unis. Même moi, je suis pas allé aux États-Unis. À votre avis, à quoi le chat? Carte Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ah ouais, Pokémon booster, Pokémon. Ah, parce que vous vous dites. Peut-être c'est les cartes PSA Pokémon. Parce que c'est vrai que faut que je mette mes cartes sets de base, faut que je les envoie aux États-Unis pour qu'ils soient notés. Et ensuite ils vont me les renvoyer. Mais c'est pas ça. C'est pas des cartes Pokémon. Des chaussures, des sneakers. Vous allez voir, je vais ouvrir. Sachez que je suis trop hype. Je suis trop hype parce que en vrai, ce que j'ai commandé, j'avoue, on dirait grave une boîte de chaussures. Hein. Ah, ça peut être une boîte de chaussures. Sauf qu'il y a ça. On va commencer, on va ouvrir le petit carton. Je pense que vous allez vite comprendre c'est quoi. Honnêtement, j'ai hâte d'ouvrir parce que je sais même pas à quoi ça ressemble exactement. J'ai hâte. En vrai, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Sachez que j'ai commandé ça il y a... Je pense il y a 15 jours. Je pense que j'ai commandé ça il y a 15 jours. Aïe. Oh lolo lolo. Oh poteau. Oh poteau. En plus c'est ma mère qui les a reçus. J'ai dû aller chercher le colis chez mes parents. Ma mère elle était en mode t'as reçu 3 colis des États-Unis, c'est quoi ce bordel et tout. Ma mère elle a commencé à s'inquiéter frérot. Putain mais attends, mais comment j'ouvre ça? En plus j'ose pas y aller trop fort. T'as vu, il y a écrit fragile dessus. Mais wesh. Mais putain. Attends, c'est trop dur. Mais frérot.
Ah, j'aurais dû prévoir un couteau là. J'ai pas un couteau. Eh, j'ai pas de couteau, j'ai rien. C'était quoi ce cri? Prends des ciseaux. J'ai rien. J'ai pas de ciseaux. Mais attends, mais c'est inouvrable. Après, j'avoue, le colis vient des États-Unis, donc vaut mieux qu'il soit bien, bien protégé, tu vois. Mais attends, mais comment je l'ouvre? Frérot, avec la couronne. J'ai trouvé. Avec la couronne Clash Royale. Tes mains. Hop là. Tes mains, la couronne. Elle est tellement pointue. Aïe. Hop. Oh. Oh. Ah. Ah. Mais j'en peux plus. Hey Yuki, tu peux pas me l'ouvrir. Yuki, tu peux pas me l'ouvrir avec tes dents. Mais attends, mais c'est une galère. Merci l'ultra pour tes 2 euros. Fulbert, merci pour ton sub. Bienvenue frérot, ça fait 5 mois. Merci Tyson pour tes 10 euros. GG pour ta victoire au tournoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Oh, ça m'a surpris carrément. Attends, mais oh. Mec, il reste plus que ça là. J'arrive pas à l'enlever. Ah, je vais le casser. Je vais tout casser. Je vais casser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais attends, mais frère. Je crois que j'ai jamais vu un colis aussi bien emballé. Hein. Ok. Oh là 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 là. Ok. Le colis est ouvert. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, vous allez vite comprendre c'est quoi. Zerox, merci pour ton sub. Merci Vincent pour tes 3 mois. Lord Michou, GG pour le tournoi. Merci les gars. Merci beaucoup. Enfin, oui, il est ouvert. C'est un pop-it. Attention. Attention. Oh, il y a un petit message. Wesh. Wesh. Il y a le vendeur Alan. Il m'a écrit. Attendez. Le vendeur Alan, il m'a écrit thank you, Michou. Mais. Quoi? Mais attends, mais comment c'est beau? Mais attends, mais je viens de capter là. Comment c'est possible? Thank you, Michou. Mais frérot, c'est un vendeur des États-Unis, frère. Ah, mais peut-être sur mon eBay, il y a peut-être mon pseudo sur eBay, c'est Michou. Ok. Il m'a mis thank you, Michou. C'est des bonbons. Vous allez voir. Oh. Wesh. Pourquoi il y a un truc de tasse? Attends, parce que à tout moment, je me suis trompé et j'ai pas commandé des tasses, hein. C'est là, les gars. Est-ce que vous avez compris c'est quoi? Est-ce que vous avez compris c'est quoi? C'est un truc Clash Royale, les gars. C'est des packs avec des boosters Clash Royale. Il y a des cartes Clash Royale dans ces packs. Les gars, j'ai des boosters Clash Royale. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable? Oh lol, mais attends, j'en ai tellement. Mais wesh. Mais wesh. J'en ai plein. J'en ai plein, frérot. En vrai, je vais pas te mentir, les gars. Je vous explique. Je vous explique. J'ai vu il y a pas longtemps. Il y a des abonnés, ils m'ont mentionné sur un mec qui avait commandé des boosters Clash Royale. Donc moi je me suis dit, bah attends, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux des boosters Clash Royale. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché partout, frérot. J'ai mis booster, carte Clash Royale et tout machin. Mec, j'ai cherché partout et c'est introuvable. Je vous jure, c'est introuvable. Et c'est des boosters officiels Clash Royale. Genre, regardez, il y a écrit Shop Supercell. C'est des trucs officiels faits par Clash Royale qu'ils ont fait en 2018. Il y a la date d'écrit, 2018, collection carte 2018, et ils en ont plus jamais refait. Ils en ont fait en 2018, et au bout d'un moment, ils ont arrêté d'en vendre, et ils en vendent plus du tout. Et du coup, c'était introuvable. J'ai trouvé un vendeur eBay, frérot. Il y avait un vendeur sur eBay qui en vendait, il en vendait plein. J'ai tout acheté. C'est pour ça que là, les gars, on a déjà tout ça, plus ce qu'il y a sur le bureau, et...
Il y a encore deux grosses boîtes. Mais normalement les packs c'est pas tous les mêmes. Attendez. On va ouvrir les autres trucs. Normalement les packs c'est pas tous les mêmes. Déjà je crois qu'il y a plusieurs boosters. Je crois que dans un pack comme ça il y a 3 boosters, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas. De toute façon on va ouvrir. En vrai on va découvrir les gars. Je vous avoue que j'y connais rien. C'est des boosters Clash Royale. Je suis retombé dedans frère. Je suis retombé dedans, ça y est, gros, je suis retombé dedans, après Pokémon, c'est Clash Royale, mais putain, mais arrêtez de faire des cartes à collectionner, j'en peux plus, j'ai réussi à me libérer de mon addiction, pour Pokémon, et maintenant j'ai une nouvelle addiction pour Clash Royale, c'est pas possible, t'as payé combien ? On va pas se mentir, j'ai investi. Je crois que le tout que j'ai payé, j'en ai eu pour 1 500 €, frérot. J'en ai eu pour 1 500 € de booster Clash Royale. Mec, c'est vraiment énorme. Mais après, je me dis, avec des boosters Clash Royale, il y a tellement de concepts à faire ou quoi que ce soit que, voilà, genre là, je vais pas... les gars, croyez pas que là, je vais ouvrir tout ça. Là, des boosters, j'en ai plein. Le but, c'est de faire 10 vidéos avec, tu vois. Genre, là, on va en ouvrir certains pour ouvrir. Après, je peux faire des battles de boosters en mode, je sais pas, genre, par exemple, j'ouvre un booster, Inox, il ouvre un booster. Du coup, moi, j'ai mon... Genre, les cartes que j'ai dans le booster, ça me fait mon deck. Les cartes qu'Inox, il a, ça lui fait son deck. Et on fait des combats, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ouais, je crois que juste un pack comme ça, si je dis pas de conneries, ça coûte 30 balles. En gros, c'est quasiment 10 euros le booster, en vrai. Putain, mais ça coûte cher, en vrai, aussi, les boosters Clash Royale. C'est un truc de fou. Après, c'est des boosters de 2018, hein. Booster de 2018, les gars. On n'oublie pas, attention. Ça va prendre peut-être de la rareté. Moi, je me suis dit, j'ai investi. Je me suis dit, j'en sais rien. J'ai trouvé qu'un vendeur. Je lui ai tout acheté, poteau. ça va prendre de la valeur et moi je suis un monstre. Moi j'en ai. C'est cher quand même, ouais, j'avoue que c'est quand même un peu cher. C'est quand même un peu cher, mais après c'est parce que j'en ai commandé beaucoup. Les gars, on en a encore, mais je crois qu'il y a, je crois que c'est pas tous les mêmes. Là, j'en ai des comme ça et normalement j'en ai des autres. Normalement j'en ai des autres. Le rat, merci pour tes 7$ canadiens. Et Bensa Kelsaïd, merci pour ton sub. Oh putain, comment je vais ouvrir ça, frère? Non, pour de vrai, j'ai pas un couteau qui traîne. Il me semble que j'ai un couteau dans mon frigo. Merde! J'ai pas de couteau! Oh les gars, comment je fais? Putain, je suis dans la merde. Je vais devoir ouvrir. Je vais devoir ouvrir ça. Je suis foutu, les gars. Je suis foutu. Putain. Bah, la couronne, hein. Merde! Mes boosters! Merde! J'espère qu'ils vont bien, frérot. J'espère qu'ils vont bien. Mais en vrai j'ai hâte de voir les cartes, elles ressemblent à quoi et tout. Parce que je vous jure, j'ai jamais vu ça, hein. Rome Art Sport, merci pour tes 20€, frérot, merci beaucoup. Oh, je crois que j'ai fait un truc de monstre là. Je crois que là j'ai été trop fort. Attends. Là je fais comme ça. Frérot, c'est pas pratique d'ouvrir un collier avec une couronne. Je te dis la vérité. Va chercher des ciseaux. Mais j'en ai pas. Hop là. Mec, je suis un monstre en vrai. La technique de la couronne, les gars. Frérot, on reste dans le thème Clash Royale. Hop là. Mais hey, t'as vu ou pas comment je suis fort? T'as vu ou pas comment je suis fort? Attends, celui-là, je suis sûr que je peux l'avoir avec les mains. Ouais, non, je peux pas. Allez, c'est parti, technique de la couronne. Hop. Je suis un monstre ou pas? Le chat, notez ma technique. Ma technique, vous mettez combien sur 20 là? Franchement, moi je mets un bon 18, hein. Aïe. Aïe. Frérot.
C'est une séance de muscu. Je te jure, c'est une séance de sport là ce que je suis en train de faire. Allez là! Purée, c'est pas possible! Ok! Magnifique! Deuxième carton ouvert! Et là, normalement, il devrait y avoir d'autres trucs. Oh, wesh. Qu'est-ce que. Bah attends, mais il y a des cartes où je rêve? Je rêve où il y a des cartes? What? Mais what? Attends, j'ai reçu des cartes d'un truc, je sais pas du tout c'est quoi. Yonki, attends mais j'ai... Il m'a envoyé des cartes de baseball? Mais attends, mais il y en a trop en plus. Mais what the fuck? J'ai des cartes de baseball, mec. J'ai des cartes de baseball. Tu t'es fait arnaquer. Non, mais non, il y a un autre truc à l'intérieur. J'avoue, imagine. Imagine, je me suis fait niquer et il m'a envoyé que des cartes de baseball. En plus, sur celle-là, il y a écrit Royals. À tout moment, il y a un mec qui s'appelle Clash Royale dans le baseball. Il m'a envoyé que des cartes Clash Royale. Mais attends, mais je m'en fous, moi, des cartes de baseball, en vrai. Oh! Oh! Là, par contre... Mais attends, mais wesh! Oh, mais attends, mais ça, c'est des vrais packs! Ah ouais, il y a une différence, les gars! Mais attends, mais c'est quoi? Mais attends, mais il y a quoi à l'intérieur de ça? Eh, on va kiffer! Eh, on va kiffer! J'ai trop hâte d'ouvrir, de découvrir, là. En plus, ça, c'est scellé encore. Ce truc-là, il est scellé. Mais attends, mais c'est incroyable! Mais c'est un banger! Mais attends, il y en a tellement! Wesh, il y en a plein! What? Mais les gars, j'en ai masse. Ah ouais, j'ai pas déconné. Hein. Eh, j'ai pas déconné sur la commande. Hein. Eh, je me suis dit, ça vient des États-Unis, je fais une grosse commande et comme ça, je suis bien pour toute ma vie. Attends. Oh. Putain, mais bon, les cartes de baseball, elles me rendent fou. Je crois qu'il y a encore un autre truc. Ah non. Que je me gourre pas. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok, magnifique. Oh, oh là là, les gars. Waouh. Waouh. Et je pense que dans tout ça, là, il doit y avoir du booster. Et dans tout ça, il doit y avoir du booster. Il y a des vrais packs. Il y a des vrais packs. Du coup, ce carton-là, je pense que ça doit être la même chose. Ça doit être des trucs comme ça encore. Je l'ouvre ou pas? Est-ce que vous voulez que je l'ouvre? Mais je crois que c'est la même chose. Il n'y avait que deux trucs différents. Je l'ouvre ou pas le deuxième gros carton? Garde-en un scellé. Ah mais je vais en garder plusieurs scellés. Ah mais croyez pas les gars. Mon but c'est pas tous les ouvrir. Non mais je vais pas tous les ouvrir. Hein. Là on va en ouvrir je pense un ou deux. On va ouvrir ces packs là aussi pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais on va pas tout. On va loin de tout ouvrir. Vous êtes fous. Oui, ouvre le dernier carton. Ok, on ouvre le dernier carton. C'est parti, on va refaire la technique de la couronne. Et après, du coup, les... Après, du coup, les gars, ouh, on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trop hâte. Alors, attends, frérot. En plus, ça date de 2018. Ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les cartes. Hein. Il manque des cartes si ça date de 2018. Parce que, genre, en 2018, il n'y avait pas, genre, les champions, déjà. Déjà, il n'y a pas de champion. Il n'y a que des légendaires. C'est sûr. Il y avait pas, il y avait quoi comme carte qu'il n'y avait pas en 2018? Le fantôme royal, je crois, il n'était pas là. La cava bélière, elle n'était pas là en 2018, je crois. Hein. Quoique, je sais plus. Si, le fantôme royal, je crois, il venait peut-être juste de sortir. Hop, ça c'est fait. Le méga chevalier. L'électro-géant, bah ouais. J'avoue, l'électro-géant, il était pas là à l'époque. Hein. Putain, 2018, ça fait 4 ans, n'empêche. J'ai des boosters, ils datent de 4 ans. Et ils sont méga rares, je vous jure. Et essayez de trouver sur Internet, c'est trop dur. Hop. Hop. Mamie sorcière. Ouais, la mamie sorcière, je pense que ça y est pas. De toute façon, on va voir. On va ouvrir, on va voir. Vous pensez que c'est dur d'avoir toutes les cartes?
En vrai, avoir toute la collection, je pense que ça doit être assez facile normalement. Tac. Dernier carton. Oh. Bah cette fois-ci, j'ai pas eu de carte de baseball. Ah ouais les gars. C'est encore la même chose. C'est encore... Oh mais non, c'est pas la même... Mais what? Mais wesh. C'est encore un truc plus big. C'est encore un truc plus big, je vous jure. C'est pas la même chose. Mais attends, mais j'ai commandé trop de trucs là. Je savais que j'avais commandé beaucoup. Oh mais attends, mais... Oh, mais t'es masqué à écrit sur celui-là. Guaranteed Legendary. Ah ouais. Ceux-là, c'est pas légendaire garanti. Ceux-là, c'est légendaire garanti. Mais je suis un génie. Mais je suis un génie. Oh lolo lolo. Oh. Ah bah là, c'est un petit. Celui-là, c'est un petit. Celui-là, c'est un petit. Et celui-là, c'est un gros. Ok. Oh, j'ai trois trucs légendaires garantis. J'ai trois big trucs avec légendaire garantis. Oh mais attends, c'est trop d'art. J'ai trois énormes trucs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 packs moyens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 packs petits. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. Ah, j'ai que 9. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais commandé, je m'en rappelle. Ok. J'ai 3 packs géants, 10 packs moyens et 9 packs petits. Les gars, c'est une dinguerie. Purée. Oh. Oh. Oh, regardez ce que je viens de trouver dans le carton. Il m'a mis des protège-cartes. Le mec, il m'a envoyé des protège-cartes. Ah, mais attends, je crois que c'est des top loaders. Mais ouais, je suis mort. Il m'a envoyé des protège-cartes. C'est les mêmes que les Pokémon en vrai. Ceux-là, c'est les top loaders. C'est quand t'as... Ça, c'est quand j'ai une vraiment rare sur Pokémon, je la mets dans ça. Je suis mort. Il a pensé à tout. Mais attends, mais c'est un banger. Eh, les gars, c'est un banger. Putain. Eh ben, les amis, je crois qu'on va pouvoir pas tarder à ouvrir tout ça, hein. On va pouvoir pas tarder à ouvrir tout ça. Merci Emilio pour tes 5 euros. Et Wens, merci pour tes 2 euros. Tac. Tac. Hop. Regardez les gars. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Je savais que j'allais ouvrir des cartes Clash Royale. Bam. Oh lolo 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 lolo. Tac. Bon. Sachez déjà que il y a deux gros packs comme ça. Légendaire garantie. Je les mets de côté, on les ouvrira pas aujourd'hui. Sachez-le. Sachez-le, sachez-le, sachez-le. Bah attends. Les packs légendaires garantis, pour l'instant, on les met de côté. Les packs moyens, on les met de côté. Les packs petits, on les met de côté. Et regardez. Tac. Du coup, j'ai reçu trois trucs différents. Théma, c'est les Dalton. On a... L'énorme pack légendaire garanti. Le pack moyen. Et le bébé pack. Le bébé pack qui coûte déjà quasiment 30 balles. Hein. Donc le bébé pack c'est déjà quelque chose. Hein. Les gars, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. On va commencer par le petit pack si vous voulez bien. Ça, on va mettre ça de côté. Et on va voir ce qu'on a. Ok. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que les boosters, c'est peut-être pas exactement les mêmes. Parce qu'il y a un truc qui a écrit légendaire garantie. Donc c'est quoi? C'est un booster différent? Ta cam, la cam. Rétrécis ta caméra. Ouais, bah non, mais je la laisse comme ça, les gars. Je la laisse comme ça parce que là qu'on va ouvrir... Paf. Là qu'on va ouvrir, tu vois, on ouvre comme ça. C'est bon, là. Réduis ta fenêtre de cam. Vas-y, je réduis un tout petit peu. Comme ça, voilà, c'est parfait. Ok, du coup voilà comment se présente un pack. On va appeler ça un pack. 2018 collectible carte. Du coup c'est en anglais, ouais c'est en anglais. J'ai pas trouvé les cartes en version française. Je sais même pas si elles existent en version française. Il y a le shop Supercell. Sauf que sur le shop Supercell ils vendent plus les cartes. C'est des cartes de 2018. Look for rare, epic and legendary cartes. Ah, il y a pas les communes.
18 cartes. Ah, mais il n'y a que 18 cartes? Il n'y a pas les communes, tu vas me dire? 6 cartes, 3 packs inside. Ah non, il y a 18 cartes dans un pack. Ok, il y a 18 cartes dans un pack. Et dans un truc comme ça, il y a 3 boosters en fait. Il y a 3 boosters de 6 cartes. Ok, d'accord. Vas-y, bah on va ouvrir, les gars. Oh, mec, ça fait plaisir. J'ai limite les mains qui tremblent. Je te jure. Asthmatique, merci pour ton sub. Merci Jonas pour tes 10 euros. Laetitia, Trinity, Chloé. Merci pour tes 1 euro, Chloé. Hop. Ok. Ça me fait chier, c'est que là j'ai l'impression que je suis obligé de détruire le bail. J'essaye de faire attention, les gars, mais. Ouais, je l'ai un peu niqué, hein. Je l'ai un petit peu niqué. J'ai essayé de faire attention, mais c'est la première fois que j'ouvre ça, les gars. C'est compliqué. J'apprends. Oh, mais attends. Bah attends, mais ouais, c'est à moitié vide. C'est à moitié vide. Attends, mais du coup, comment? Mais les 3 boosters, ils sont bloqués là. Comment je les prends? Mais poteau, en fait, faut ouvrir comme ça. Tu vas me dire, faut ouvrir de l'autre côté? C'est bizarre cette histoire. Mais attends, mais l'arnaque, hein? Il y a une moitié vide. Je suis mort. Je suis mort. Attends. Oh là là, hey, je vous jure, j'arrive pas à ouvrir. Je fais de mon mieux pour pas défoncer le truc, mais. Bon bah là j'ai fait un peu n'importe quoi. Oh! Oh lo 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 lo! Oh lo! Oh mais c'est tout petit! C'est tout petit mec! Hop ça, je le mets là. Mais attends, mais ils sont tout petits les boosters, ça me perturbe! C'est tout petit! Attends, est-ce que j'ai un booster Pokémon? Ah j'ai pas de booster Pokémon pour comparer, mais attends. Merde, dommage. Pour comparer, j'ai pas de booster Pokémon, mais. Ah, mais non, en fait, ça fait à peu près la même taille. Hein. Mais je te jure, un booster Pokémon, c'est beaucoup plus long normalement. Là, c'est un peu carré, tu vois. Putain, c'est con, j'aurais bien aimé mettre un booster Pokémon à côté pour comparer. On va comparer, les gars, après les cartes Pokémon et les cartes Clash Royale. Ok, pas mal. Du coup, on a 3 boosters de 6 cartes seulement. C'est pas énorme, hein. 6 cartes, on peut même pas faire un deck en vrai de vrai. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le premier booster? 3 heures pour ouvrir un booster. Mais les gars, en même temps, c'est la première fois que j'ouvre ça. Je prends mon temps. Je prends mon temps. 6 training cards. Ok. Oh. Attends, mais derrière. Derrière, il y a écrit les pourcentages de chances d'avoir les cartes. Attendez, 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 mais c'est trop intéressant. Base. Attends, what? Non, je crois que j'ai mal compris. Legendary, apparemment, c'est une chance sur 48. Je crois que les. Attendez. Je crois que les communes, les gars, c'est une chance sur deux. Les épiques, c'est une chance sur 7. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas forcément une épique par booster. Les communes, c'est. Ouais, c'est ça. Commune, une chance sur 2. Épique, une chance sur 7. Rare, une chance sur 2,26, je crois. Et légendaire, une chance sur 48. Ok. Bon, on va voir. On va voir. On va ouvrir, les gars, et on va voir. C'est parti. Putain, je sais même pas ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut pas avoir. Oh, ça s'ouvre tout seul, hein. Oh, attention, attention. Je crois qu'il faut que j'ouvre comme ça. Je crois qu'il faut que j'ouvre comme ça. Tac. Hop. Magnifique. Alors là, les gars, j'en ai aucune idée de s'il y a des bails de. Ok, donc il y a des communes, il y a des communes. On voit déjà la première carte. Eh les gars, j'en sais rien de s'il y a des 1, 2, 3, 4, 1, 2 à faire ou quoi que ce soit. Je vous avoue, j'en ai aucune idée. Mais du coup, on commence directement avec les barbares. Les petits barbares, c'est vraiment le classique, quoi. Les barbares, je pense qu'on pouvait pas avoir la première carte te ressemble. Comment ça, les gars? Vous trouvez que ça me ressemble? Arrêtez les gars.
Arrêtez, arrêtez. Mais en vrai, on pouvait pas commencer avec mieux. Genre les... Enfin, si. J'aurais eu en première carte un golem. Ça aurait été incroyable. Je veux que ma première épique, ça soit le golem. Je veux que ma première épique, ça soit le golem. Du coup, on a des barbares, frérot. Des petits barbares à 5 d'élixir. Et attention, on va regarder ce qu'on a derrière. Et en même temps, je vais regarder un peu le dos de la carte. Attention, les gars. Ce qu'on a derrière. Est-ce qu'on a des cartes holographiques et tout? Oh! Petit esprit de feu. Oh, il coûte 2 d'élixir, frérot. C'est l'esprit de feu de l'époque. Maintenant, il coûte qu'un d'élixir, l'esprit de feu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gars, est-ce que vous vous souvenez de l'époque? Est-ce que vous jouiez même? L'époque où les esprits de feu, c'était 3 petits esprits de feu et ils coûtaient 2 d'élixir. Maintenant, c'est un esprit de feu, il coûte un d'élixir. Mec, c'est l'époque. Et du coup, le dos d'une carte Clash Royale. Ah! Ah, mais c'est écrit en mode. Ok, d'accord, il y a toutes les stats. Ah oui, donc même le dos des cartes, il spoil en fait. Barbare level 9. Une horde, ouais, c'est en anglais du coup. Et on a toutes les caractéristiques du barbare. Ah, et c'est, ils ont quand même précisé, c'est les stats du 3 janvier 2018. Ok. Ok, très bien. Putain, ok. Donc les gars barbares, esprit de feu. Pour l'instant, on est sur de la commune. Pas de problème, pas de problème. Est-ce qu'on va avoir une rare? Une petite rare, ça serait cool. Ça serait cool. Attention, c'est parti. Oh, du mortier. Ok, le mortard, frérot. Le mortard, carrément. La pire carte Clash Royale. Non, en vrai, le mortier, il est sous-coté. Le mortier, il est sous-coté. Gros, c'est un pack opening, mais avec des vraies cartes. Mec, c'est trop d'art. C'est trop d'art. Le mortier, il est sous-coté. Petit mortier à 4 d'élixir. Ok, très bien. Ça a pas bougé. En vrai, le mortier, il a pas changé. Hein. Le mortier, il a pas bougé. Par contre, j'ai que des communes, là. J'ai pas de chance. Après, je pense que du coup, on commence avec les communes et on termine avec les plus rares. Allez les gars, on continue. Une rare, s'il te plaît, frérot. En rare, j'aimerais bien. Machine volante, je pense qu'elle n'existe pas. Je sais pas, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Oh. Encore une commune, mais frérot! Du chevalier! Mais attends, mais là, j'ai que des communes! Frère, elles sont où les épiques? Elles sont où les rares, les légendes? Mais attends, je vais galérer, hein! J'ai l'impression que je vais galérer. Par contre, pour l'instant, j'ai pas eu de double. Je sais pas si on peut avoir des doubles dans les mêmes boosters. On a du chevalier. Ok, pourquoi pas. Le petit chevalier à 3 d'élixir. Faire le dos du mortier. Ouais, c'est pareil, hein. Level 9. Mortard. C'est quoi le numéro 47? Il y a écrit numéro 47. Et là, il y a écrit numéro 40. Ah! Donc, je pense que c'est les... C'est le numéro des cartes, ouais. 26, 40, 47. Donc, il y a beaucoup de cartes à avoir, en vrai. Hein. Est-ce qu'on va réussir à toutes les avoir? J'en ai aucune idée. Les gars, arrêtez! Le chat, arrêtez de dire « «Va plus vite!» !» Tu fais exprès, « «Va plus vite, va plus vite!» !» Je prends mon temps, c'est normal, je profite. T'as vu, j'ai des boosters Clash Royale. Déjà, ça coûte quand même cher. Et c'est la première fois que j'en ouvre. J'ai envie de prendre mon temps, tu vois. Ok, c'est parti, les gars. Prochaine carte. Oh, c'est de l'épique. C'est de la épique, ouais. Ah non. Mais attends, mais c'est encore une commune. Le fût à squelette. Le fût à squelette, il existait déjà en 2018? Putain, je pensais pas. Mais pourquoi elle est violette? Attendez les gars, je comprends pas là. Parce que c'est une commune, mais elle est violette. C'est une commune rare. C'est un coffre en or, le bail. J'avoue que je suis en train d'ouvrir un coffre en or. Attends, mais c'est une commune rare en fait. Mais il y avait écrit les gars, regardez. En fait, ouais. En fait, il y a plusieurs trucs. Regardez, regardez, regardez. Je vous explique, je vous montre. C'est écrit sur le papier là. Base commune violet. 1 sur 2, genre violet, une chance sur 2. Indigo, une chance sur 5. Blue, une chance sur 50. Green, une chance sur 125. Yellow, une chance sur 247. Orange, une chance sur 1493. Et red, une chance sur 12250. Base rare parallèle, une chance sur 226. Logo, en fait, il y a plusieurs types de communes. Attendez, en vrai, les gars, c'est incroyable. En vrai, si je comprends bien, parce que j'essaye un peu de comprendre la logique des boosters Clash Royale, si je comprends bien, genre, une commune classique, c'est genre comme ça, c'est assez simple à avoir. Mais par exemple, je peux avoir une commune avec un fond rouge. Et c'est une chance sur 12 250 de l'avoir. Donc, si on a une commune avec un fond rouge, c'est que je suis...
le plus gros chat du monde. Et il y a écrit légendaire gemme folle parallèle, une chance sur 17 500. Si on a une légendaire avec un gemme folle parallèle, je sais pas ce que ça veut dire, on a... C'est une chance sur 17 500 de l'avoir. Mec, en vrai, c'est un truc de fou. En vrai, c'est un truc de fou. Donc là, on a une commune violette. Donc, je sais pas si le fût à squelette, il existe en commune classique. Mais là, on a une commune violette. Donc, ok. Et attention, les gars, je crois que c'est la dernière carte. Dernière carte du booster. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir que des communes dans ce booster? Oh! Wesh! Ça, c'est une carte de fou! Ça, les gars! Ça, les gars, je sais pas c'est quoi, mais ça, c'est une légendaire, ça! Hein. Oh, mec, mais attends, si on commence avec une légendaire, c'est incroyable! Légendaire, c'est une chance sur 50. Ça, frérot, c'est une légendaire! Quoi? Mais what? Mais frérot! J'ai eu... Attends, mais j'ai eu la cabane de gobelins holographique! J'ai eu la cabane de gobelins holographique! OMG! Mais what? Attends, mais j'ai eu la cabane de gobelins holographique. Attendez. Attendez, je regarde les probabilités là. Je regarde les probabilités. Donc, base rare. Donc, les rares. Attends, what? C'est écrit Crown Chest Foil, une chance sur 226. Mais ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Elle est rouge, c'est rouge. Mais non, mais c'est rouge parce que c'est une rare. C'est une rare. Genre là, les communes, vous voyez, le truc, il est bleu. Mais le fond, il est violet. Là, c'est une rare. Donc, elle est la couleur de la rare, elle est orange. Mais par contre, le fond, il est brillant. OMG, c'est ultra rare. Ah ouais. Attends, je regarde le derrière. Ok. Et celle-là, les level 7... Cabane de gobelin level 7. C'est la carte 15. Mais du coup, est-ce qu'il y a écrit un truc ou quoi? Il y a rien d'écrit de spécial, hein. Fais voir un peu la différence, là. Mais en vrai, il n'y a aucune différence, hein. J'arrive pas à comprendre. Bah, on va rouvrir un booster et on va peut-être finir par comprendre la logique. En tout cas, les gars... je sais pas vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que cette carte, c'est une bonne idée de la sleeve. Et je pense que même je vais tous les sleeve. Hop là. La cabane de gobelin. Elle part. Je l'ai. Eh mais en vrai, je l'ai mis dans une sleeve Pokémon. Ça passe crème. Du coup, fais voir un petit peu la différence avec les cartes Pokémon. En vrai, elles font la même taille. Eh ouais, elles font pile... Non, elles sont même un peu plus grosses, les cartes Clash Royale, j'ai l'impression. Les cartes Clash Royale sont un tout petit peu plus grosses. Mais du coup, ouais, en vrai, elles font la même taille. Ok. Enfin, non, du coup, elles sont plus grosses. Je vais mettre sous top loader, ça. Hop là, frérot. Ma cabane de gobelins brillante, elle est sous protection. Mais du coup, je me demande, est-ce que la cabane de gobelins... Enfin, je pense. Je pense que du coup, la cabane de gobelins, on peut l'avoir en brillante, en pas brillante... peut-être avec un fond violet et du coup en vrai je pensais qu'on allait faire la collection facilement, mais en fait c'est quasiment impossible de faire la collection si je dis pas de conneries les gars, c'est quasiment impossible. Hop là. Bon, du coup je connais pas la valeur des cartes les gars, je connais pas la valeur des cartes, je vous avoue j'en ai aucune idée pour l'instant. J'essayerai de me renseigner après cet opening, mais je voulais pas me spoil. Je voulais faire un opening classique comme ça sans me spoil, pour vraiment découvrir de A à Z. Et si on fait un deuxième opening, cette fois-ci les gars, j'essayerai de me renseigner un petit peu plus pour comprendre. Parce que là j'essaye de comprendre mais c'est compliqué. Tac. Parfait. Et bah du coup voilà, c'est une carte ultime. Je vais essayer de regarder là, je vais regarder vite fait sur eBay. T'es ma frérot. Mon booster, mon premier booster, imagine ça doit être un deck. En vrai, c'est un deck merdique. Déjà j'ai pas d'anti-aérien poteau. Si ça doit être un deck, je suis dans la merde. Attendez, je vais quand même regarder vite fait. Je vais aller vite fait, je vais faire eBay carte Clash Royale Gobelin
Hut. Tac. Ah mais hé, Théma! Ah mais en vrai, c'est pas un truc de fou que j'ai eu en fait. Carte foil. Ça veut dire quoi foil? Carte foil définition. Qu'est-ce qu'une carte foil? C'est une carte quasiment identique à une carte normale. Ah, c'est une carte brillante. Ok, les cartes foil, c'est les cartes brillantes. C'est ça que je comprenais pas là. Genre là, il y a écrit logo shield foil. Gemme foil. Base légendaire, gemme foil parallèle. Tu vois, il y a des trucs, je comprends pas. Mais en tout cas, les gars, sachez que ma gobelin hut là que je viens de protéger, elle coûte 6 euros. Et exactement la même, hein, en brillante, etc. Elle coûte 6 euros. Donc, c'est pas une carte de fou. Et si je mets carte Clash Royale, Skeleton, Barrel. Attends, quoi? Skeleton, Barrel, Gobelin Hut? Ça n'existe pas, ça. Skeleton, Barrel, violet. Je trouve pas. Je la trouve pas sur eBay, les gars. eBay, Skeleton, Barrel. Elle est introuvable sur eBay, frérot. Je vous jure, elle n'est pas sur eBay. Ok, je la trouve pas sur eBay, frérot. C'est une rare juste au-dessus des communes. Ouais, donc d'accord. Peut-être que ça, c'est juste au-dessus des communes. Ok, très bien. Eh ben, les gars, on a eu notre premier booster qui était un petit peu. Du coup, je pense qu'il est un peu classique. Je pense que ça, c'est un booster classique. Pas méga dingue, mais voilà. Au moins, on a découvert. On va ouvrir un deuxième booster. On va voir ce qu'on a. Objectif, essayer d'avoir une petite épique. Avoir une épique, ça ferait plaisir. Avec, pourquoi pas, du golem. On aimerait bien, les gars. On aimerait bien. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. On va ouvrir tout ça. Je l'ai un peu mal ouvert, par contre, là. Je l'ai un peu très mal ouvert, ce booster. Attendez, parce que j'essaye de pas me spoil. Bon, je l'ai éclaté, hein. On va pas se mytho, ce booster, je l'ai... Attention, est-ce que vous êtes prêts? On va avoir la première... Oh, la première carte coûte 3 d'élixir, les gars. Selon vous, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Première carte. 3 d'élixir. Attends. Ah, je sais c'est quoi. C'est bon, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Oh, vous l'avez trouvé! On voit sa petite casquette bleue. C'est le bombardier, frérot! Le bombeur! Le bombeur! Il est là, poteau! Magnifique! Du coup, c'est une nouvelle carte. C'est une carte qu'on n'a pas déjà eue. Ça fait plaisir. Le petit bombardier. A3 d'élixir. On continue, les gars. On continue. Qu'est-ce que. Ouh! Les gobelins à lance! Les Spears gobelins. Pour l'instant, les gars, on n'a pas de doublons. Donc, ça fait plaisir. Petit gobelin lance à 2 d'élixir, ça a pas changé. En vrai, ça a pas trop changé, hein. Ok, on continue. S'il te plaît, frérot, une rare direct là. Ok, on a un zap. Le zap qui est dans mon deck. Le zap, j'aime bien. Carte que j'aime beaucoup. Attends, du coup, c'est le premier sort qu'on a, les gars. Un zap. Premier sort qu'on a. Donc, ça veut dire qu'il y a toutes les cartes, hein. Il y a les bâtiments, il y a les sorts, il y a les cartes. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Le petit zap. Est-ce qu'il y a GMK 9 d'élixir? Imagine, il y a un GMK, frérot. On croise un GMK. Ok, prochaine carte. Ok, le petit squelette à 1. Frérot, là, j'ai le pire booster. Imagine, mon booster, ça doit être un deck. Je peux juste cycler. C'est nul. C'est nul. Une carte de type aberrante, bien sûr. Ah, évidemment, carte aberrante. Putain, frérot, pour l'instant, je suis un peu déçu de ce booster. Mais en vrai, au moins, j'ai toutes les cartes. Je peux les collectionner. Oh. Ouh! Attends, il me reste deux cartes et déjà une carte brillante. On a déjà une carte brillante alors qu'il me reste deux cartes. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Une rare peut-être? Ma première épique, frérot! Ma première épique! Oh, le PK, ma gueule! Oh, il est incroyable! Oh, il est dard! Oh, le PK, il est dard!
Vous croyez qu'il coûte cher ou pas le PK? Attendez, je regarde, je regarde, je regarde. Je regarde prix du PK. Mais attends, mais du coup, derrière, il peut y avoir une légendaire, là. Si on commence directement avec une légendaire, c'est énervé. PK... Attends. Clash Royale Card PK. IB. Putain, mais c'est introuvable. IB. PK Card Clash Royale. Putain, mais il y en a même pas en vente sur eBay, mec. Je te dis, c'est introuvable. Oh! Attends, mais les cartes légendaires, elles coûtent grave cher, frère. Je viens de tomber sur la bûche, là. La bûche, elle est à 90 euros. Le Zappi, 90 euros. Ah ouais, les cartes légendaires, elles coûtent 90 euros. Les rares, elles coûtent 5 euros. Mais attends, mais du coup, une épique? Une épique, ça doit coûter, sachant qu'une rare, ça coûte 5 euros, une légendaire, 90. Une épique, ça peut coûter 20-30 balles, hein. Ok, les gars, incroyable. Incroyable, le PK. Le PK qui met bien, et si derrière... Oh, le poustillon, vous le voyez ou pas, là? Il y a un gros poustillon sur la carte. Si derrière, il y a une petite légendaire, ça peut être incroyable. Allez, c'est parti, on continue. Donc, logiquement, on monte dans la rareté, hein. Oh non! On monte pas dans la rareté du coup. Oh, je suis dégoûté. Non, en vrai, je peux que être content, les gars. J'ai eu un PK. J'ai eu un PK, c'est incroyable. Je suis content. Mais du coup, on termine sur une méga gargouille. Méga gargouille. Fais voir un petit peu le booster, ce que j'ai eu dedans. Si j'ai eu des bons trucs. Tac, le PK, on va le mettre directement sous grosse protection, frérot. Le PK, t'as vu, c'est pas n'importe quoi, mon gars. Oh lolo, fais voir un petit peu le booster qu'on a eu. Les gars, là, j'ai eu ça comme booster. C'est pas fou, hein. PK, méga garouille, squelette, gobelin, lance, bombardier. En vrai, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Mais en vrai, ça peut être trop marrant. Pour de vrai, les gars, si vous avez des concepts, n'hésitez pas à me proposer des concepts que je pourrais faire avec les cartes Clash Royale. Genre, j'ouvre un booster, Inox il ouvre un booster, on fait un combat. Ou si vous avez des idées d'autres trucs comme ça, ça peut être vraiment méga lourd. Sachez que moi, je suis chaud. Parce que du coup, des boosters Clash Royale, il y en a pas mal. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Eh frérot, j'aime trop. J'aime trop. Je suis accro. En fait, je suis accro à ouvrir des boosters, hein. Eh, pour de vrai, je suis accro à ouvrir des boosters. Fais un tirage trip dans la vraie vie. Genre, j'ouvre 3 boosters et je choisis, je prends quelle carte entre les 3. J'avoue, ça peut être énervé, les gars. Putain, j'avoue, en vrai, on peut faire des bêtes de trucs. Ok, du coup, pour l'instant, on n'a pas eu de double, hein. Pour l'instant, on n'a pas eu de double. Eh, j'ai déjà pas mal de cartes, hein. Du coup, là, ça me fait 12 cartes. Ok, magnifique. On n'a pas eu de double. Donc, celle-là, c'est la seule commune violette qu'on a. Je sais pas, si ça se trouve, c'est vraiment très rare, hein. J'en ai aucune idée en vrai. Et je vais mettre la méga garouille sous top loader. Voilà. Les rares, elles brillent, elles vont sous top loader. J'ai mon PK dont je suis très très fier. Bon, les cartes là, je vais les mettre là. Tac. Ok, magnifique. Les amis, dernier booster de ce pack. Dernier booster de ce pack. C'est parti, on va voir ce qu'on a dedans. On ouvre directement. J'aimerais bien, pourquoi pas, une légendaire. Mais du coup, j'ai l'impression que les légendaires sont rares, hein. Ah les gars, les légendaires, on les a pas comme ça, hein. Alexis, merci pour tes 20 euros. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Justine, pour tes 5 euros le 1er février 2022 à 16h. Nous avions pris une photo avec toi. Okay. Oh, la horde de gargouille. La horde de gargouille. Purée, j'avais oublié. J'avais oublié que dès que tu ouvres le booster, t'as direct la première carte. Ok, on commence avec une horde de gargouilles. Carte Clash Royale que j'ai pas encore débloquée. Donc ça fait plaisir. Merci Kaiser pour tes 5 euros. Merci beaucoup les gars pour tous vos dons. Magnifique. Et bah allez, on continue frérot. On continue l'ouverture. L'horde de gargouilles. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouh, carte que j'aime beaucoup frérot. Les barbares d'élite. Les barbares d'élite, ils sont dans mon deck. Qu'est-ce que vous pensez des barbares d'élite? Le chat s'il vous plaît. Les barbares d'élite, c'est comment? Vous les... pas mal, bien, cancer. Je savais, ils allaient dire cancer. Je savais frérot, les barbares d'élite c'est une dinguerie.
Vous pouvez pas dire ça, les gars. Je ne vous laisserai pas dire ça. Les barbares d'élite, c'est une dinguerie. Ok, on continue, frérot. Et pour l'instant, on a eu 0 double. Hein. Après, si ça se trouve, dans un pack, on peut pas avoir de double. Oh, le gang de gobelins. J'ai cru qu'on allait avoir les gobelins à lance, mais pas du tout. Peut-être on peut pas avoir de double hein, dans un pack. Dans un pack de 3 boosters. Ok, le gang de gobelins. On continue avec les chauves-souris, ok. Eh mais je pensais pas qu'en 2018 il y avait déjà tout ça. Les chauves-souris, pas mal du tout. Putain, ça nous fait pas mal de cartes. Hein. Continuons les gars. Ouh, je vois du violet là. Ah mais c'est une commune violette. Oh, les archers les gars. J'ai cru que c'était une épique mais non. C'est une commune violette. Putain mais c'est bizarre du coup le bail des communes violettes. Après on va voir si plus tard on a les archers ou le fuat squelette en commune normale. Ok, les archers en commune violette. Et attention pour terminer les gars, est-ce qu'on... Ouh, on termine sur une brillance. Ok, la tombstone. La tombstone qui est pas mal... Mais attends mais là ce booster c'est quasiment mon deck. Je vous jure que ce booster c'est quasiment mon deck. Donc là on a même pas eu d'épique. Putain mais mec, avoir une épique c'est déjà dur, mais alors une légendaire, what? Les légendaires sont vraiment très durs à avoir hein. Mec, cette carte elle est dans mon deck. Frérot, là on a eu franchement ce booster il était pour moi. Est-ce qu'on va débloquer le golem? Les gars, sachez que le golem c'est un peu mon drac au feu hein. C'est ok, c'est pas une légendaire, mais le golem c'est un peu mon drac au feu. Après ma légendaire préférée, j'aimerais bien avoir l'électro-sorcier, frérot. Non, la princesse aussi. En vrai, la princesse, t'as vu, c'est la légende, c'est une des premières légendaires avec le sorcier de glace. J'ai envie de la débloquer. Du coup, on va ouvrir un plus gros pack. On va ouvrir un plus gros pack pour voir ce qu'il y a dedans. Tac, ma tombstone rare. On va sleeve les barbares d'élite. Bon, je sleeve tout. Au pire, attendez, je vais mettre de côté et je livrerai plus tard, non? Sorcier de glace merdique. Non, en vrai, le sorcier de glace, moi, je le trouve fort. Mais, tu vois, c'est... Sorcier de glace, c'est quand même une carte iconique de Clash Royale. Vous, c'est laquelle votre légendaire préférée? Savoir un petit peu, ça va être qui, notre Dracaufeu Shiny, là? Méga Chevalier. Il existait en 2018, les gars, le Méga Chevalier, ou pas? Je sais pas s'il existait en 2018. La bûche voleuse. La voleuse, mec. La voleuse, je veux la voir. De toute façon, c'est simple, je veux... Merde, ma carte. Mon gang de gobelins. J'ai fait tomber mon gang de gobelins. Le pêcheur. MK. Ah oui, c'est vraiment le méga chevalier. Hein. Les gars, est-ce que quelqu'un peut me dire si le méga chevalier, il existait en janvier 2018? Il est sorti quand, le méga chevalier? Je veux savoir si on peut le débloquer. Sinon, on essayera. Si on peut le débloquer, c'est la carte qu'on va le plus essayer d'avoir. Ou la vo- Oh, le cimetière aussi. Hein. Cimetière, moi, j'aime beaucoup le cimetière. Oui, il est sorti en 2017. Il est sorti en 2017. Donc, on peut avoir un méga chevalier, frérot. On peut avoir un méga chevalier. Donc, les gars, sachant que il y avait 3 boosters dans un pack, j'ai eu, dans le premier pack, donc le pack classique, j'ai eu une épique. 3 rares. Après, je pense que je pouvais avoir une légendaire, tu vois. Ça dépend de ma chance. Et du coup, j'ai eu combien? Attends, mais j'ai eu 12 communes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, c'est pas possible. J'ai mal compté. Parce que je crois qu'il y a 16 cartes dans un pack. Non, il y a 18 cartes. Donc, attends. Là, j'en ai 4. Donc, ça veut dire que j'ai 14 communes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, j'ai eu 14 communes, 3 rares, 1 épique. C'est pas méga ouf, je pense. Je pense que c'est pas foufou. Après, je m'en rends pas compte. Hein. Je m'en rends pas compte. Si ça se trouve, frérot, j'ai eu 1 épique. Et c'est ultra rare. Ok, et ben pour l'instant, on va mettre ça là, les gars. Attends, Théma. On va se faire un petit truc ici. Les communes, les rares, les épiques. Magnifique! Les gars, on va continuer, on va ouvrir un plus gros truc. On va maintenant ouvrir ça. C'est pas encore légendaire garanti.
Mais sachez qu'après, on va ouvrir un truc légendaire garanti. Ça, c'est un truc classique. Look for rare, epic, en legendary card. C'est un truc un petit peu plus gros. Je sais pas ce qu'il y a dedans. S'il y a genre 10 boosters ou s'il y a deux petits packs. J'en sais rien. J'en sais rien. On va voir. On va ouvrir ça tout de suite. On va voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est scellé et tout, mec. C'est magnifique. Sachez que je kiffe de ouf. Vous en pensez quoi pour l'instant, vous, des boosters Clash Royale, là? Vous kiffez? Jessica, merci pour tes 5 francs suisses. Attends, mais c'est hyper dur à ouvrir. Kaiser, merci pour tes 5 euros. Merci, Justine. Alexis, merci pour tes 20 euros. Oui, je kiffe trop bien. La terre est plate. Ok, lui, il est hors sujet, frérot. Trop lourd, trop d'art, incroyable. Ok, bah ça fait plaisir si vous kiffez. Ok. Oh lolo, regardez comment c'est satisfaisant. J'aime trop faire ça, mec. J'aime trop faire ça. Enlever le truc là, c'est trop satisfaisant. Et ben c'est parti. Les amis, on a notre pack moyen. C'est pas encore un gros pack, c'est un pack moyen. Oh, ça s'ouvre comme ça. On dirait une display, mec. On dirait une display Pokémon. Oh. Mais attends, mais c'est clairement une display Pokémon en fait. Mais what? Mais attends, mais il y a tellement de boosters. Mais un. Mais frérot. Mais un. What the fuck? Mais il y en a à gogo. Eh les gars, dites-vous qu'un un pack comme ça, j'en ai 10. Mais what? Attends, mais là, je suis... Mais wesh. Mais wesh. Je pensais pas y en avait autant là. Je suis Gucci. Oh, je suis Gucci. What the fuck. Mais attends, je suis trop bien. Frérot, dis-toi des trucs comme ça, j'en ai 10. Des trucs comme ça, j'en ai 10. Mais attends, wesh. Je veux juste voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mec, il y a 24 boosters, mais c'est clairement une display. C'est clairement une display. Il y a écrit ou pas dedans? Est-ce qu'il y a écrit au dos en mode 24 boosters? Non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit 24 boosters. Mais maintenant, je le saurai. Ouais, c'est ça, c'est 24. Mais mec, what the fuck? T'as 240 boosters au total. Attends, j'avoue, parce que j'ai 10 trucs comme ça, donc ça m'en fait 240. J'ai 9 trucs où il y en a 3. Mais attendez, parce qu'après les gars, j'ai 3 trucs comme ça hein. Et ceux-là, ils sont encore plus gros. Ceux-là, ils sont encore plus gros. Donc si ça se trouve, dans celui-là, il y en a 50, frérot, des boosters. Mec. Ah ouais, j'ai pas mal de... Ok, on est bien les gars, en vrai. On est bien, on a du booster à ouvrir. Et ben on va ouvrir tout ça. Et après on ouvrira l'énorme pack avec légendaire garantie. Et ben putain, si on n'a pas une légendaire dans ça, je comprends pas. Si on n'a pas une légendaire dans ça, je comprends pas. Là, c'est pas écrit légendaire garantie. Mais mec, il y a tellement de boosters. Si j'ai pas une légendaire, je comprends pas. Et ben c'est parti les gars. Oh bordel, ben là on va pouvoir se faire plaisir. Putain, c'est Noël. C'est Noël, frérot. Attention, les gars, on va voir notre première carte. Oh, ah, bah du coup, ça répond à la question. On a les archères. Et du coup, les gars, on peut effectivement avoir une carte commune normale et une carte commune violette. Ok. Donc là, c'est un peu la version... Ça, c'est un peu la version reverse, quoi. J'ai une violette. Une commune violette. Et là, une commune normale. Mais du coup, c'est la même carte. Je vais regarder un peu le derrière. Je pense que c'est pareil. Attention, qu'est-ce qu'on a derrière les archers? Oh, la Tesla. La Tesla, je l'avais pas. Ouais, du coup, c'est pareil. Hein. Et c'est pareil, c'est la carte numéro 3. Dans tous les cas, c'est la carte numéro 3. Ouais, tout est pareil sur la carte. La carte est identique, sauf que celle-là, elle est violette. Ok, et ben, du coup, les gars, il y a un système de rareté que je connaissais pas, bah qui est nouveau, tu vois, qu'on connaissait pas avec Pokémon, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ok, on a la Tesla en normal, très bien. Les petits gobelins que j'avais pas non plus, ça fait plaisir.
Une petite commune violette là. Ok, les barbares. Du coup, les barbares que j'ai en double. Les barbares, c'est la première carte que j'ai eue. Je les ai en double. Ça fait pas méga plaisir. C'est mon premier double, du coup, les barbares. C'est mon premier double. Parce que les archers, quand je les ai eus en double, tu vois, mais c'est pas exactement la même carte. Oh, commune violette, le bombardier. Le bombardier en violette, je l'avais pas, frérot. Je le prends. Je le prends, je complète la collection. Et derrière, est-ce que je vais avoir une rare? Ok, derrière ça brille, les gars. Derrière ça brille. Et le géant! Ben oui, frérot! Le géant, évidemment! C'est quand même une icône de Clash Royale! C'est quand même une icône de Clash Royale! Le géant, et du coup, le géant, c'est la carte numéro 8. Fais voir les gobelins, c'est la carte numéro combien? Numéro 14. Ça m'intéresse de ouf de voir c'est les cartes numéro combien. Je me demande c'est laquelle, la 1. Ça doit être le chevalier en vrai. Ok. Ok, magnifique. Bon, là, j'ai eu qu'une rare dans le booster. Booster, pas méga ouf. Les gars, je sliverai toutes les cartes plus tard. Quoique, je vais déjà commencer à sleeve le géant et le bombardier. Les communes violettes, donc, c'est quand même assez rare. Hein. Les gars, dites-vous que j'ai 3 communes violettes alors que j'ai 4 rares. J'ai plus de cartes rares que de communes violettes. C'est-à-dire que les communes violettes, c'est quand même rare. Genre, j'ai l'impression que dans chaque booster, on a une rare garantie. Par contre, dans chaque booster, on n'a pas une commune violette garantie. Tac, ok, parfait. Ça, je sliverai plus tard, les gars. Je vous dis la vérité. Et bah voilà. On va pouvoir commencer, les gars. Première, c'est la mousquetaire. Ah ouais? On va pouvoir continuer. Mais du coup, les gars, sachez que j'ai une épique comme ça. Et il y a plusieurs raretés différentes. C'est ça qui est ouf en fait. C'est que du coup, les communes, il y a les communes violettes, les communes indigo, les communes bleues, les communes vertes, jaunes, oranges et rouges. Sachez que si on a une commune rouge, c'est incroyable. Même une commune orange. Hein. Commune orange, c'est une chance sur 493. Et commune rouge, les gars, c'est une chance sur 12 000. En vrai, c'est ouf. C'est important de se renseigner parce que, c'est sûr, je vais ouvrir une carte. Je vais ouvrir une carte, je vais me dire, c'est quoi ça? Je comprends pas, c'est quoi? Et ça va être une carte de ouf, tu vois. Et après, les rares, pareil. Il y a les Crown Chest Foil. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une chance sur 226. De toute façon, on voit. Hein. S'il y a une carte commune qui est pas comme d'habitude, on sait que il y a un bail. On sait qu'il y a un bail. S'il y a une commune pas comme d'habitude, on sait qu'il y a un bail. Enfin, s'il y a une rare pas comme d'habitude. Attention les gars, première carte. Ok, on commence à... Oh lolo, j'ai vu des trucs là. J'ai vu des trucs les gars. J'ai vu des bordures. J'ai vu des bordures que j'aurais pas dû voir. Du coup, on vise la commune rouge. petit esprit de feu. Petit esprit de feu qu'on a déjà eu. Carte en double. On continue. Le mortier. Qu'on a en double aussi. Attends, mais frérot, il y a plus de communes que ça dans Clash Royale, non? Après, j'avoue, les communes, on va vite, vite faire le tour. Hein. Ok, le chevalier. Attends, le chevalier, je vais regarder, c'est la carte numéro combien? Le petit chevalier à 3 d'élixir que j'avais déjà, je crois. Le bombardier que j'ai eu juste avant. Non, chevalier, c'est la carte numéro 4. Putain, mais c'est laquelle la carte numéro 1? C'est peut-être vraiment la mousquetaire, du coup. Hein. Le bombardier. Ok, pour l'instant, on n'est pas sur un pack opening de fou. On a beaucoup de doubles. Ouh! Attends, ouais, il me reste 3 cartes, non? Ah non, il me reste 2 cartes. Il me reste 2 cartes. Oh! Le clone, frérot, une épique! Une épique! Bon, c'est toujours pas le golem, les gars. Sachez que je veux le golem en épique dans ce pack opening. Mais du coup, c'est la même. C'est la même. Donc, j'imagine, les gars, que ça, c'est les épiques classiques. Si on a une épique différente, dites-le-moi, faites-le-moi remarquer. Mais ça, j'imagine que c'est les épiques classiques. Épique, du coup, c'est quand même chaud, hein. Parce que là, je suis à mon combien? Je suis à mon cinquième booster et j'ai que 2 épiques. Ok. Et derrière, les gars. Et derrière, attention. Ouh lolo, ça brille encore, ça brille encore. Une rare? Ok, la roquette. La roquette, une rare. Ok, pas mal. Et bah ça, c'est un bon booster. Tu vois, quand on a une épique et tout, direct, ça met dans une meilleure ambiance. Ça met dans une meilleure ambiance. Le petit sort de clonage et la roquette, quoi. Hop là, le clone, je vais le mettre direct sous top loader. On n'a pas eu de commune violette. Donc comme quoi que c'est quand même assez rare, les communes violettes. Putain, ce serait d'art une commune rouge, mec. Gros, on a une commune rouge, on est Gucci.
Attends, mais je commence à me prendre au jeu. Hein. Les gars, je commence à me prendre au jeu des packs opening Clash Royale. Hein. Roquette rouge, point d'interrogation. Non, en vrai, allez, c'est la couleur des rares, les gars. C'est la couleur des rares, elle est pas rouge. C'est le bord brillant qui serait rouge. Sauf qu'il y a que les communes. Les rares différentes, c'est en mode, c'est un autre truc qui brille. Mais les rares différentes, ça doit être méga dur à voir. Et les légendaires différentes, je pense que t'en as une, la carte, elle vaut 10 000 euros, frérot. Parce que des cartes légendaires, j'en ai toujours pas eu en 5 boosters. Alors des cartes légendaires différentes, tu sors ça, t'es un génie. Et ben très bien. On continue les gars, prochain booster. Du coup on en a pas mal. Putain, je suis rassuré sur le nombre de boosters que j'ai. J'ai tellement de boosters au final. Hop là, c'est parti. Attention les gars, on va voir directement notre première carte. Ok, les gobelins à lance que j'ai déjà du coup. Les petits gobelins à lance que j'ai déjà. Mais attends, mais il nous manque quoi comme commune? Le chat, si vous savez ce qu'il nous manque, il nous manque les flèches. Les flèches, je les ai pas. Je sais pas ce qu'il manque d'autre. Le zap, on l'avait déjà, frérot, le zap. Le squelette à 1, on l'avait déjà. Légendaire, c'est vraiment très très rare. Ouais. Le géant royal, ah j'avoue, le canon, oh, il nous en manque tellement. La horde de gargouilles, putain frérot. Mais attends, mais j'ai trop de doubles là. C'est pas normal. Ouh, barbare d'élite. Barbare d'élite en carte violette, les gars. Barbare d'élite violet, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je les avais pas. Les barbares d'élite, je les aime beaucoup. Donc barbare d'élite violet, je suis trop content. Ok, on continue. Ouh, derrière ça brille. Bah évidemment, c'est la dernière carte. C'est une rare et c'est le mini PK, carte rare classique. Pour l'instant, j'ai pas eu de rare différente. Pour l'instant, j'ai pas eu de rare différente. J'imagine que ça doit être très très rare. On va voir. Hein. On va peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour. Hop, le petit mini PK qu'on va directement sleeve. Le mini PK que j'avais pas. Je suis très content de l'avoir, les gars. Je suis très très content de l'avoir, le mini PK. Les barbares d'élite, je vais les sleeve aussi. Mais si ça se trouve, ils ont pas fait toutes les cartes. Hein. Il y a moyen qu'ils aient pas fait toutes les cartes parce que les communes, j'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour. Alors qu'il nous en manque tellement. En vrai, on va voir. On va voir. Larry supérieur au PK. Oh les gars, je sais ce qu'il nous faut comme légendaire. Il nous faut le mineur. Mec, le mineur, gros. Le mineur, il est tellement iconique dans ce jeu. Ouh, ok, on a les barbares d'élite. Du coup, barbares d'élite, encore une fois, commune que j'avais déjà. C'est parti, on continue. Le gang de gobelins, j'ai déjà, frérot. Les bats, j'ai déjà. Bah ouais, attends, mais on fait vite le tour, là. Oh, les gargouilles, je crois que je les avais pas. Je crois les petites gargouilles à 3, je les avais pas, celles-là. Hein. Il te faudrait le chevaucheur de cochon. Ah ouais, j'avoue, le chevaucheur de cochon. Ok, les petites gargouilles à 3, je pense que je les avais. Ouais, non, je pense que je les avais pas. Et du coup, ça fait plaisir de les avoir. En vrai, je pense qu'il doit y avoir toutes les cartes. Hein. Oh! Oh! Attendez, comme une jaune, là! Oh! Horde de gars! Wesh! C'est quoi ça, bruit? Il écrit 21 sur 50. Oh! Les gars, là! Là, les gars, on a une carte Gucci. C'est pas une rouge. C'est pas une rouge, mais attendez, jaune, il faut que je regarde. Attendez, je vais me renseigner. Jaune. Les gars, dites-vous, il y a violet, c'est 1 sur 2. Indigo, je sais pas c'est quoi, c'est 1 sur 5. Bleu, c'est 1 sur 50. Green, c'est 1 sur 125. Yellow, c'est 1 sur 247. Wesh. Jaune, les gars, c'est au-dessus de beaucoup de choses, hein. Après jaune, il y a orange et après c'est rouge. Une secrète. Ah là, frérot, c'est orange. Ah, vous trouvez que c'est orange? Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. C'est orange ou jaune selon vous? C'est orange. Ah, j'arrive pas à me rendre compte, les gars. Mais là, je crois qu'on a une carte de fou. Hein. Là, je crois qu'on a eu une carte de... Mais mec, j'ai une chatte de fou, gros. C'est orange, ok. Apparemment, le chat me dit que c'est orange et c'est pas jaune. Après, les gars, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au-dessus, il écrit 21 sur 50. Ça veut dire quoi, 21 sur 50? Comment ça, 21 sur 50? Clonage, c'est la carte 67. Déjà, clonage, c'est la carte 67. Ça veut dire qu'il y a forcément plus de 50 cartes. Donc, comment ça, 21 sur 50?
Et attention derrière. Ok, derrière on a le petit bélier de combat en rare classique. Ok, pourquoi pas. Le bélier de combat, je l'avais pas. Mais attendez, là, c'est incroyable ça. En plus, c'est la carte 32, c'est pas du tout la carte 21. Les gars, s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, si ça se trouve, gros, ils ont imprimé que 50 cartes comme ça et j'ai la 21e. Hein. Imagine. Imagine. C'est la 21e commune. Mais même pas, hein. Il y en a, c'est la 32e, c'est écrit. C'est écrit que c'est la carte 32. Ah, après, peut-être. Oui, peut-être il y a 50 communes. Peut-être la série limitée. Le nombre de cartes imprimées. Édition limitée. Ouais, c'est ça, hein. Si ça se trouve, j'ai la horde de gargouilles jaune 21 sur 50. Alors, si ça se trouve, les hordes de gargouilles jaunes, il n'y en a que 50. Ou orange. J'arrive même pas à savoir si c'est jaune ou orange. Ça, les gars, ça part direct sous top loader. Je pense que c'est la carte la plus rare qu'on a eue pour l'instant. Je pense que c'est la carte la plus rare et je sais même pas si on aura plus rare. Hein, parce que jaune. Jaune, les gars, on a sauté des étapes. Hein, on est passé de violet à jaune. Dites-vous, il y avait indigo, je sais pas c'est quoi. Il y avait bleu, vert. Et encore, si ça se trouve, c'est orange. Et dans ces cas-là, on a même sauté l'étape jaune. Les gars, c'est incroyable. Sachez-le, c'est incroyable. Mais moi, je pense que le orange, c'est plus un orange comme ça. On va voir. Le petit bélier de combat. En tout cas, pour l'instant, en rare, j'ai pas eu de double. Donc, ça fait plaise. Et ben, on continue. En vrai, les gars, on a pas mal de boosters. Hein. Pendant, toujours pas de légendaire. Indigo, c'est or. Indigo égale bleu foncé. Indigo, c'est bleu foncé. Ah ouais? Indigo, t'en as aussi. Ah bon? Je crois pas les gars. Indigo bleu foncé. Ok, d'accord. Oh! Les flèches! Ok, ouais, donc si, hein. En vrai, je pense qu'il y a toutes les communes. Après, peut-être juste, il y en a qui sont plus rares que d'autres. Parce que les barbares d'élite, on les a eu beaucoup de fois. Le chevalier aussi, alors que les flèches, on les a eu qu'une fois. Ou après, peut-être juste, j'ai tout le temps la même chose, non? Ok, on a directement les flèches. Pas mal du tout les gars. Les flèches ça fait plaisir. On l'a. Oh le géant royal, ok. Deux communes qu'on n'avait pas, let's go. Oh là 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 là, le gros géant royal frérot, le GMK. Le GMK les gars. Le GMK, le GMK à 6 d'élixir. Oh le canon, mais attends frérot, j'ai que des cartes que j'avais pas. Mais attends mais c'est incroyable là. Ce booster est incroyable hein. J'ai que des communes que j'avais pas. Esprit de glace, je l'avais pas non plus. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et derrière, il y a une commune violette, les gars. Il y a une commune violette derrière. Si ça peut être une commune violette que j'ai pas, les chauves-souris. Je crois que je les ai pas. Je les ai pas en commune violette, les chauves-souris. Et ben, ça fait plaisir. Chauves-souris, commune violette. Et du coup, je pense que la dernière carte, ça doit être une rare. Effectivement. Et c'est la tour à bombe. La pire carte de Clash Royale. Mais au moins, je l'ajoute dans la collection. Elle n'est pas arrivée trop tôt, quoi. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Elle aurait pu attendre encore un petit peu plus de temps pour arriver, celle-là. Mais elle est là. Ok. Et bah, très cool, les gars. Indigo, c'est jamais bleu, c'est violet. C'est comme ça, Indigo? C'est celle-là, les cartes Indigo? Si ça se trouve, celle-là, c'est Indigo. Et celle-là, c'est classique, quoi. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Ok. Hop. Parfait. Oui, c'est violet comme ça. Indigo, c'est rose. Ah, donc celle-là, en fait, ça doit être les cartes Indigo. Parce que regardez, il y a écrit quand même Indigo, une chance sur 5. Donc je me dis, c'est bizarre qu'on n'en ait eu aucune. Mais du coup, c'est quoi violet? Il y a écrit violet. Violet, 1 sur 2. Blue, 1 sur 50. On n'a pas eu de blue pour l'instant. Cherche sur Google. Mais les gars, le truc, c'est que les cartes Clash Royale sont tellement pas commercialisées que c'est introuvable. C'est trop dur de se renseigner dessus. J'aimerais bien savoir, hein, mais franchement, c'est dur. Ok, c'est parti, les gars. On continue, on a encore du booster, hein. On a encore pas mal de boosters à ouvrir. Toujours pas de légendaire pour l'instant. J'avoue, c'est chaud. C'est vraiment chaud d'avoir une légendaire. Après, les légendaires coûtent 90 balles. Hein. Donc, on a une légendaire, on est Gucci. Ok, le vieux à squelette que j'ai déjà.
En classique en plus, les archers que j'ai déjà, on continue la Tesla, je l'ai déjà. Les gobelins, je les ai déjà. Ok, on commence à faire le tour, le zap en carte violette. Le zap en carte violette, pas mal. Ah mais oui, attends. Ah mais attendez, c'est pas le même. Regardez, c'est pas le même violet. Ah mais c'est ça Indigo, je pense alors. Ah ok. Ah mais oui. Regardez là. Mon bombardier, il n'est pas violet comme les autres. Il est un petit peu plus clair. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc ça, c'est un petit peu plus classique. Ça, c'est rose. C'est un peu rose, quoi. C'est rose violet. Et ça, c'est indigo, du coup, je pense. Je pense, hein. Je pense que je dis pas de la merde, hein. Ok. Ok, bah on va se livrer ça tout de suite. Oh merde, du coup j'ai. Ok, gobelin sarbacane que j'avais pas en rare. J'avoue que du coup j'ai oublié qu'il y avait une carte derrière. Gobelin sarbacane en rare, je l'avais pas, frérot. On le prend. Putain, ça fait plaisir. Du coup là, c'est que des nouvelles cartes. C'est que des nouvelles cartes, frérot. On dit indigo et pas indigo. On dit indigo. Ok, d'accord. Ton zap étant indigo. Bah ouais, du coup, j'ai un zap et bomber indigo. Et ça c'est rose. Ok, dac. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal les gars. C'est pas mal. Putain, mais il y a tellement de raretés différentes, frère, il faut comprendre, hein. Il faut suivre. Par contre, c'est ma horde de gargouilles que je suis vraiment fier. Putain, ma horde de gargouilles, elle claque. Elle claque sa mère. Et ben c'est parti, on continue frérot. Putain, faut que j'arrête de dire frérot là, je dis beaucoup trop de fois frérot. Manon, merci pour tes 20 euros. Merci beaucoup, Manon. 20 euros, c'est énorme. Le rat, merci pour tes 7 dollars canadiens. C'est une orange et c'est plus rare qu'une légendaire, je pense. Ah ouais? Du coup, apparemment, ça, c'est pas une jaune, c'est une orange. Hein. Et du coup, apparemment, ce serait plus rare qu'une légendaire. Mec, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Par contre, on a toujours pas eu de légendaire. Donc, les légendaires se font désirer aussi. Hein. Ok, on commence directement avec les barbares. Je les ai déjà, les frérots. Les esprits de feu, on les a. Le mortier, on l'a. Est-ce qu'on va avoir une petite carte rose? Pas du tout. Le chevalier, on l'a. Oh, ok, là, c'est pas indigo, là, c'est rose. Le gobelin, le gang de gobelins. Le gang de gobelins en carte rose. Pour l'instant, j'ai beaucoup de cartes roses quand même. Et derrière, je pense que c'est déjà la dernière carte. Et ça va être la Valkyrie, frérot. La Valkyrie, ben oui. Ben oui. La Valkyrie, il a fallu. En vrai, c'est une rare classique de ouf. Mais justement, justement, la Valkyrie, c'est un banger. La Valkyrie, tu vois, c'est un peu la première génération. C'est le set de base, quoi, la Valkyrie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? La Valkyrie. C'est. Voilà. Genre, le gobelin Sarbacane, tu sens que c'est une bonne rare, mais c'est une rare qui est arrivée plus tard. La Valkyrie, c'est celle de base. Hop là, le gang de gobelins. Et ben, magnifique, on va continuer. Mec, j'ai encore tellement de boosters à ouvrir. Oh. En vrai, faut que j'aille beaucoup plus vite, hein. Faut que j'aille beaucoup plus vite. Mais gros, c'est quand qu'on va avoir une légendaire? À votre avis, je vais avoir une légendaire ou pas? Après, là, c'est pas un pack légendaire garanti, mais quand même. C'est un truc de ouf, comment c'est dur. Esprit de feu, mec, j'ai l'impression qu'ils sont dans tous les boosters, les esprits de feu. Je n'en peux plus. Le mortier, j'en peux plus. Le chevalier, j'en peux plus. Le bomba, ouais, frère. J'ai que les mêmes communes. J'en peux plus. Ok, un zap rose. Du coup, le zap, je l'ai en indigo et je l'ai en rose. Théma, c'est pas du tout le même en vrai de vrai. C'est pas du tout le même. Zap indigo, zap rose. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et ben, ça fait plaisir. Et derrière, en rare, on a. Oh, les trois mousquetaires! Les trois moumous! Eh, pour l'instant, j'ai pas eu de doublon rare. Hein. En rare, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai eu aucun doublon rare. Putain, c'est énervé. C'est énervé. Tom, merci pour tes 2 euros. Les gars, je prends bien soin de sleeve toutes les cartes. Je t'avoue, c'est tellement introuvable les cartes Clash Royale que je me dis autant en prendre soin. Tac, c'est parti, on continue. En vrai, il faut vraiment que Clash Royale il ressorte des cartes 2022. Hein. Ça serait incroyable, frère. Ça serait incroyable qu'il ressorte des cartes 2022. Attention,
Ok, les gobelins à l'anse en commune. Indigo, c'est violet, je viens de chercher sur Google. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, gobelins à l'anse, les gars. Le zap, on l'a. Les squelettes, on les a. Je sais pas s'il y a des communes qui me manquent, là. Là, je les ai toutes, les communes. Et on a direct, ok, d'accord. Bon, bah, c'est allé très vite. Et du coup, c'est notre premier booster un peu claqué. Parce que la hutte, la cabane de gobelins, bah, je l'avais déjà, en fait. Premier booster claqué. On a eu... on a eu que des cartes que j'avais déjà. On a eu aucune nouvelle carte. C'est la première fois. Et ben putain, ok. Est-ce qu'on va commencer à faire le tour? Je sais pas. Le canon. Non, le canon, je l'ai déjà. Les recrues royales. Ah, mais est-ce qu'elles sont sorties en 2018, les recrues royales? Est-ce qu'elles étaient là en 2018? De toute façon, on va voir. Hein. Je pense que les communes, les gars, on va vite faire le tour. Les battes, les minions. Ok, les flèches. Ouh, squelette en rose. Ok, c'est pas indigo, c'est rose. Et derrière, en rare, on a la méga gargouille. Ok, on commence à faire le tour, là. Là, on commence à faire le tour, les gars. Là, ça va commencer à être un petit peu plus dur d'avoir des nouvelles cartes. Je sleeve quand même tout ça. Je vais pouvoir me permettre d'aller un petit peu plus vite. On n'oublie pas, les gars, objectif, avoir une commune rouge. On a une commune rouge, frère, on est plus que Gucci. Hein. Ah, je te le dis. Ah, je te le dis. On est Gucci gang. Ouh, on commence directement avec un géant royal. Ok, commune qu'on voit beaucoup plus rarement, les gars. Le canon derrière. L'esprit de glace. Mais en fait, j'ai l'impression que les cartes, elles sont un peu dans le même ordre. Genre... Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai eu Géant Royal, j'ai eu Canon et Esprit de Glace dans le même booster. Et là, comme par hasard, j'ai Géant Royal, j'ai Canon et Esprit de Glace. Et quand j'ai les squelettes, j'ai les archères. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dans le même ordre, on dirait. Le feu à squelette. Ouh, ça, c'est une carte indigo, ça. Ça, c'est une carte indigo, c'est pas rose. Les gobelins en lance. Ok, très bien. Et pour terminer, en rare, on a... Putain, mais il n'y a plus d'épic. Mais attends, mais là, c'est très dur. La tombstone que j'ai déjà en plus. Et les épiques, dites-vous que j'en ai que deux. Hein, alors que j'ai ouvert masse booster. Putain, mais les épiques, c'est vraiment dur à avoir. Le golem, je pense qu'on... Mais attends, mais les légendaires. On en parle des légendaires. Le PK que t'as eu est 4 fois plus rare qu'une légendaire. Ah ouais? Mais pourquoi, frérot? C'est un PK classique. Après, peut-être... Ouais, peut-être qu'il y a des épiques plus rares que les autres aussi, hein. J'avoue, j'en ai aucune idée. Si on a une commune rouge, on est Louis Vuitton. Mec, vraiment. On est même mieux que ça. Hein. Eh ben, c'est parti. On continue, mon frérot. On commence directement avec les archères. Et là, tu vas voir, ça va être que les communes qu'on a tout le temps. La Tesla. Tu vois, après les archers, il y a tout le temps la Tesla. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps dans le même ordre, on dirait. Les gobelins. Les barbares. Non, en fait, j'arrive pas à savoir. En rare, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah non. Ouh, ok. La horde de gobelins en rose. Je crois que je l'avais déjà. Et en rare. Oh, les électrocuteurs. Putain, je pensais que les électrocuteurs, ils étaient sortis bien après. Hein. En fait, il y a tellement de cartes que je soupçonnais pas qui sont dans ce jeu. Enfin, dans le paquet de cartes. Et ben, lourd de ouf. Ok, hey, ça devient dur, hein. Si t'as une commune rouge, c'est pas pour te faire chier, mais t'es cocu direct. Mec, ça va être... c'est plus rare que le Dracofeu Shiny, je crois, la commune rouge. Déjà, la commune jaune... Mais attends, mais déjà, ça, j'ai eu une chatte de ouf. Hein. Je m'en suis pas rendu compte. Hein. Je pense vraiment que je m'en suis pas rendu compte. Hein. Hop. Il te manque aussi la boule de feu. En vrai, il me manque vraiment beaucoup de cartes. Hein. Ok, canon. Tu vas voir, derrière le canon, je mets ma main coupée, esprit de glace. Oh, t'as vu ou pas? Derrière l'esprit de glace, feu à squelette. Je suis un génie. C'est dans le même ordre. Les cartes sont dans le même ordre, les gars. Les cartes sont rangées dans le même ordre. Derrière le feu à squelette. C'est quoi derrière le feu à squelette? Je sais plus. Les archers, ok. Et derrière les archers, qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure derrière les archers? Putain, la Tesla. Oh! Let's go! Ma première légendaire, les gars!
une carte derrière encore. Ok. Oh, le sort de guérison, frère, il est même plus dans le jeu. Le sort de guérison, rest in peace, frérot. Il n'est même plus dans le jeu. Oh, mais attends, mais allez. Oh. Eh, désolé, mais les gars, la carte légendaire est incroyable. Oh, la carte légendaire, elle est incroyable. Oh. Alors là, ça part en slip direct. Hein. Oh, bordel, après les archers, l'archer magique. En fait, les archers, ils l'ont annoncé. Hein. Les archers, ils l'ont annoncé, l'archer magique. Hein. Bordel, il a un flot de fou. Et bah, du coup, c'est ma première légendaire, les gars. Ma première légendaire dans les boosters, c'est l'archer magique. Putain, incroyable. Mec, je kiffe de ouf. Mais hey, en vrai, c'est hyper addictif aussi, hein, les ouvertures de Booster Clash Royale. Parce que, mec, il y a tellement de raretés différentes, t'as envie de comprendre. Et je pense qu'une fois qu'on aura compris, on va vite tomber accro. Putain, le sort de soin, c'est ouf. Le sort de soin, c'est ouf de l'avoir. Genre, il n'existe plus. Il n'existe plus, frère. Le sort de soin, je suis mort. J'ai eu une carte qui n'existe plus dans le jeu. Ça, c'est iconique. C'est quand même iconique. Encadre là, j'avoue. Putain. Oh, l'archer magique, je suis trop content. Mec, l'archer magique, bordel. C'est incroyable, hein. Incroyable. Oh, j'ai niqué mon truc. Tu pourras le faire avec Elsa, les ouvertures de pack. En vrai, il faudrait. Parce que, les gars, Elsa, elle a eu la main chanceuse à la pack Dracaufeu Shiny. Donc, je pense... que Elsa, tu lui donnes des boosters Clash Royale, elle va avoir des trucs de fou. Hein. Elle va avoir des trucs de fou. Oh, bordel, les gars, ma première légendaire au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 boosters, mec. Ma première légendaire, elle est tombée au bout de 16 boosters. Wesh. 16 boosters. T'imagines? T'imagines comment c'est méga rare? Mais même ça, hein. Ça, je sais pas si on va en avoir d'autres. Hein. Ok, c'est parti. Petite Tesla, les petits gobelins à deux, les barbares. Ok, très bien. On a des communes, on les connaît maintenant. Derrière, on a... Ok, en fait, j'ai l'impression que c'est l'avant-dernière carte la plus rare. Vous avez remarqué ou pas? Genre là, l'avant-dernière, c'était la légendaire. Et je crois aussi que les épiques, je les avais eues en avant-dernière. Et en avant-dernière aussi, il y a souvent les cartes roses, etc. Tu vois. Et en dernière, il y a toujours juste une rare. Ouais, c'est... Oh! Chevaucheur de cochon, frérot! Chevaucheur de cochon, bien sûr qu'on prend. Bien sûr qu'on prend. Ça fait très très plaisir, le chevaucheur de cochon, bordel. Putain, let's go. Je suis trop content. Chevaucheur de cochon, je suis content. Ça, c'est une vraie rare iconique. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la plus rare, c'est l'avant-dernière. Parce qu'au début, j'ai remarqué, hein, les boosters Clash Royale, c'est 4 communes, une carte différente, soit une carte rose, soit une indigo, soit une épique, soit une légendaire, soit une orange, soit une violette, etc. Une rare. Je vous jure, c'est ça, vous allez voir. Vous allez voir, je suis en train de comprendre. J'analyse, les gars. J'analyse, je suis en train de comprendre, regardez bien. Inverse la dernière et l'avant-dernière alors. Bah ouais, j'avoue. Ouais non, la flemme en vrai. En fait je peux pas, les gars. Bah ouais, en fait je peux pas. Les gars, je peux pas inverser deux cartes. Parce que le problème si j'inverse deux cartes, c'est que je vais devoir faire ça. Et du coup on va voir ça. Et si je retourne le paquet, et ben on va voir ça. Donc je peux pas inverser les cartes. Fais la technique du 1-1. Ben ouais, non, je peux pas. Parce que là, si je retourne les cartes, on va voir directement la rare. Oh, la boule de feu, je l'avais pas! Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas faire 1-1. On va voir direct la carte. Mais regardez, regardez. Première commune, deuxième, troisième, quatrième. Là, on va avoir soit une carte rose, soit une épique, soit un truc comme ça. Oh, le miroir, le miroir, je l'avais dit ou pas? Et là, on a la rare. Ok, je comprends les boosters Clash Royale. Donc la carte la plus rare, c'est l'avant-dernière. Mais de toute façon, on peut pas faire la technique du 1-1.
Parce que parce que les gars ça spoilerait tout quoi. Oh du coup miroir, je suis content. Je suis content les gars, une épique. En vrai on a eu de la chance hein. Putain là on enchaîne les grosses cartes. Après je m'en rends pas compte tu vois, mais j'ai eu que 3 épiques sur toute mon ouverture. C'est que c'est quand même chaud hein. C'est que c'est quand même chaud. Et 3 épiques, une légendaire. Et le PK bordel, je suis content de l'avoir eu hein. Parce que là je me retrouve avec un clonage, un miroir. Le PK c'est vraiment une très très bonne épique hein. Ok parfait. Je sais pas si j'arriverai à avoir toute la collection. Magnifique, tout ça on va poser ici. C'est parti, on continue. Merci plus Lizzy, merci pour tes 5 euros. Tom le boss, merci pour tes 2 euros. Merci Kaiser pour ton sub. Merci beaucoup les gars pour tous vos dons. J'espère que vous kiffez ce live. Ok c'est parti, les communes. Maintenant on a fait le tour. Il nous manque aucune commune les gars, on est d'accord hein. Commune, on a fait le tour. Et attention, en carte rare, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok, c'est du rose. C'est du rose, c'est la... En fait, ça, en fait, quand on a ça, en vrai, je suis déçu. Je suis en train d'y penser. Parce que ça, ça nous nique l'emplacement rare. Et c'est la moins rare que je peux avoir dans les rares. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans les cartes rares, c'est la moins rare que je peux avoir. Ok. Ok, très bien. Et derrière, on a la cabane de barbare que j'avais pas. Que j'avais pas. La cabane de barbare, très d'art. Et du coup, je pense que c'est ça, les gars. Je pense que les trucs... une chance sur deux, genre. Commune violette, une chance sur deux. Après, une chance sur cinq, une chance sur 50. C'est qu'en fait, j'ai une chance sur deux en avant-dernière d'avoir ça. Genre, j'ai une chance sur deux en rare d'avoir ça. Une chance sur 5 d'avoir un autre truc. Une sur 50 d'avoir un autre truc. Et c'est pour ça que les légendaires, c'est ultra rare, frérot. En fait, j'ai une chance sur 2 d'avoir une carte rose à chaque fois. Donc, c'est chiant. Genre, en moyenne, sur 2 boosters, je vais avoir une carte rose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est ça, hein. Je pense que, les gars, j'ai bien compris, là. J'ai bien compris le but des boosters Clash Royale. Après, peut-être, on va avoir un booster qui va créer la surprise, mais... Je pense pas. Gang de gobelins, les bats, les minions, les flèches. Attention, en 4 rares, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, Knight en indigo. C'est pas en rose, c'est en indigo. Ok, et en dernière carte, en 4 rares. Oh, la machine volante, frérot! On l'avait pas, celle-là. Ah ouais, en vrai, les 4 rares, il y en a tellement. Il y en a tellement à voir. Mais les communes, je pense que j'ai fait le tour, hein. Les gars, le chat, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez une commune que j'ai pas encore eue? Je pense vraiment que j'ai fait le tour. Après, le but, ça va être de toutes les avoir en rose, de toutes les avoir en indigo, toutes les avoir en comme ça, je pense qu'on pourra pas le faire. Ça va être chaud. En indigo, pardon. Pardon. Les fripons. Ah, mais les fripons, ils sont sortis quand? L'artificière, la méga boule de neige. Ah ouais, j'avoue, il en manque plein. Séisme. Séisme, c'est pas une carte rare, le séisme. Ok, géant royal. On commence directement avec un géant royal. Esprit électrique. Ah ouais, j'avoue, il en manque plein. Ouais, c'est vrai, il en manque plein. Hein. Il en manque plein. Mais je sais pas si elles sont dans le jeu après. Canon. Esprit glace. Feu à squelette. Ouh, ok, on a une carte rose du coup, carte classique, et derrière on va avoir une petite rare. L'extracteur d'élixir, pourquoi pas, je l'avais pas. Par contre les gars, les rares, j'ai l'impression qu'il m'en reste vraiment plein à débloquer. Le dragon squelette. Putain, c'est vrai, les dragons squelettes, c'est commune aussi. En vrai, il en manque plein. Il en manque plein, mais je sais pas s'ils existent. En vrai, je pense que les communes du jeu, on les a toutes. À moins qu'on se fasse surprendre à un moment. Je pense que là, je les ai toutes. En vrai, les gars, j'ai déjà ouvert une vingtaine de boosters. Donc, tac. C'est parti. Les bats. Les minions. Les flèches. Le géant royal. Attention, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir en carte rare? Oh! Oh non! Oh non! Épique que j'ai déjà. En fait je suis content d'avoir une épique, mais je l'ai déjà, frérot. Et la Valkyrie, je l'ai déjà. Oh non.
Mon premier double épique. Ah, oh, c'est bien, PK, tu vois, mais non. Non, non, non. Non, 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 c'est pas si bien, en fait. Ah, merde. Il te manque Valkyrie. Non, Valkyrie, je l'avais déjà. Je l'ai déjà eu. Putain, du coup, sur 3... Mec, j'ai que 3 épiques. Et je me retrouve avec une épique que j'ai déjà, quoi. J'ai 4 épiques, dont 2 fois la même. Alors que, les gars, des PK, il y en a plein. Revends-le, vends-la. Envoie-le-moi si t'es pas content, t'inquiète. Offre-la, nous. J'avoue qu'en vrai, ça reste une bête de carte. Non, j'avoue, ça reste une bête de carte, les gars. Je vais pas me plaindre. Mais je veux dire, j'aurais pu avoir un prince ténébreux, du prince, du golem, du... Mec, il y a tellement d'épiques, l'électro-dragon, le... Il y en a trop. Le feu à gobelin. Moi, l'épique, la rare que je veux le plus, c'est... C'est quoi, les gars? Une rare que je veux beaucoup. En vrai, j'en ai aucune idée. La rare que je veux le plus, j'en ai aucune idée. Par contre, l'épique que je veux le plus, c'est vraiment le golem. Et la légendaire que je veux le plus, je pense que... Le cimetière, mec, je kifferais l'avoir. Le golem cimetière, tu connais. C'est mon combo. Le canon, esprit de glace, feu à squelette archer. Attention derrière, en rare, qu'est-ce qu'on a? On a les barbares en rose. Ça fait chier, je les ai déjà. Et le sorcier. Ok, les gars, le sorcier s'ajoute à la collection. Le sorcier, bienvenue à toi, frérot. Le sorcier s'ajoute à la collection. Je l'avais pas en rare. Hop, ça fait plaisir. Par contre, c'est cool parce que du coup, les communes, il reste tellement de raretés différentes. Les champions, ils n'existent pas. Ils n'étaient pas là en 2018. Ils n'existent pas, les gars. Les gars, les cartes datent de 2018. Hein. N'empêche, ça, c'est quand même ouf. Hein. Hop, ok, c'est parti. On commence directement. De la Tesla, du gobelin, les barbares, esprit de feu et derrière, en carte rare... Mec, une légendaire. Une légendaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh. Quoi? Oh. J'ai même pas eu de rare. Enfin, j'ai pas eu de... J'ai eu une rare, quoi, le golem de... Mais j'ai pas eu de carte rare, quoi. Oh, l'arnaque. Ok, golem de glace, Roda. Ils t'ont feinté. Oh. Alors celui-là. Miskin. Mais attends. Attends. Je suis sûr qu'il y a un bail. Non les gars, je suis sûr qu'il y a un bail. Attends, il est où mon mortier? Il y a un bail. C'est sûr que c'est une rare, mais en fait je suis pas encore au courant. Non les gars, c'est certain. Attends, fais voir. On va comparer les deux cartes. C'est sûr c'est pas les mêmes. Vous voyez une différence ou pas, les gars? Je suis dégoûté. Eh! Non, c'est les mêmes couleurs. C'est la même couleur. Tout est pareil. Dégoûté. Donc là, mais attends, mais j'ai eu un booster sans rien. C'est la première fois que j'ai ça. Hein. Les gars, c'est la première fois que j'ai ça. Un booster sans rien. Putain. Ok. Chevalier. Bombardier. Gobelin en lance. Zap. Dis-moi que là, j'ai quelque chose quand même. Allez, légendaire. Ok, les esprits de feu en rose, c'est pas ouf. Et, oh, la tour de l'enfer. Eh, hey, mais les rares, putain, les rares, on est loin d'avoir fait le tour. Hein. T'imagines, on a quasiment jamais des doublons rares, alors que j'en ai eu tellement des rares. En vrai, j'ai de la chance. Je vais la suivre quand même. Il te manque GMK 18 d'élixir. GMK, je l'ai eu, mais je l'ai pas encore eu en rose ou en indigo. Les gars, il me reste plus que 2 boosters dans ce pack. J'aurais quand même eu une légendaire, sachant que c'était pas forcément un pack légendaire garanti ou quoi que ce soit. Donc en vrai, je suis quand même content.
Putain, j'avoue que j'ai le cul légendaire sur... Je suis à 25 boosters ouverts, je pense. Une seule légendaire. C'est vraiment... Ça fait pas de cadeau. Ok. Et du coup, ça, je pense que, les gars, je me suis pas rendu compte, mais c'est une carte de malade mental. Hein. Celle-là, je pense que c'est ma carte la plus chère. Hein. Ok. Les petits squelettes à 1. La horde de gargouilles. Les barbares d'élite. Le gang de gobelins. Ok, le mortier en indigo. Je crois que je l'avais pas. Et attention en rare, on a la mousquetaire que je crois que j'avais pas. Et je crois que c'est la carte. Ah non, c'est la numéro 7, la mousquetaire. C'est la carte numéro 7. Mais putain, mais c'est laquelle la carte numéro 1? Les gars, la première carte quand tu joues à Clash Royale. Ah, c'est peut-être les squelettes, non? C'est peut-être les squelettes. Je vais regarder les squelettes. Non, les squelettes, c'est la carte 19. Les gars, c'est laquelle la carte numéro 1? Le géant. Non, c'est pas le géant. Le prince. Mini PK. Faudra que je vérifie, mais... J'arrive pas. Je ne trouve pas la carte numéro 1 pour l'instant. Ok. Et ben, dernier booster de ce pack. C'est parti. On va ouvrir ça directement. Attention, les gars. Allez, dis-moi qu'il y a un gros truc. S'il te plaît, régale-moi. Régale-moi, mon frérot le pack. Je veux des trucs de fou. Je veux que tu me mettes bien. C'est parti. Les chauves-souris. Gargouille. Flèche. Géant royal. Et attention, derrière, en carte rare. Allez, frérot, au moins une épique. Oh putain, mais le mortier, il est là tout le temps. Il me rend fou, ce mortier. Il me rend fou. Et du coup, en carte rare, qu'est-ce qu'on a pour terminer? La fournaise que j'avais pas. Mais frérot, il y a tellement de rares différentes, c'est incroyable. Ok. Et ben les gars, on a terminé pour le pack. Pour le pack moyen. Le pack moyen, pas le petit, on l'a fait. Le pack moyen, on l'a fait. Il me reste le gros pack avec légendaire garantie. On va voir ce qu'il y a dedans, les gars. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans le gros pack. S'il y a plus de boosters, s'il y a des boosters différents, s'il y a... J'en ai aucune putain d'idée. J'en ai aucune idée. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce pack opening. J'espère que vous avez kiffé. Les gars, on a fait le petit pack. On a fait le pack moyen. Sachez juste que j'en ai que 3. L'énorme pack. Le gros pack, frérot. Sachez juste que j'en ai que 3. Le pack légendaire garanti. Mec, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Mais dans ce pack, c'est légendaire garanti. Sachez qu'il est très lourd. Pour de vrai, il est très lourd. Je me demande pas si c'est un bail de genre, il y a 50 boosters, un bail comme ça. Hein. Franchement, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait genre 50 boosters, dont un avec forcément une légendaire. C'est les flèches, la carte numéro 1. Ah ouais? Je regarderai. Aïe. Ok. C'est parti, les gars. Oh lolo lolo. Oh lolo lolo. Putain, j'aime tellement enlever les trucs de ça là. Enlever les packs des blisters. Oh, comment c'est satisfaisant. Les gars, là, c'est une giga display en vrai. Hein. C'est une giga display. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir ce qu'il y a dedans. Je pense que ça doit être un carnage. Il doit y avoir tellement... Attends, je vais essayer de pas le niquer. Oh les gars, je crois qu'il y a... Oh, oh, oh. Ok, en vrai, c'est comme le pack moyen, mais juste, il est plus épais. Sauf que... il est juste plus épais, mais... J'ai pris qu'un truc, hein. Il est juste plus épais, mais je pense que ça va faire toute la différence en termes de nombre de boosters. Le petit pack, il y en avait 3 boosters. Le pack moyen, il y en avait 24. Celui-là, 48 peut-être. Il va peut-être en avoir 48, hein. Oh, bordel de... Oh. Ah oui, les gars, je pense que là, c'est sérieux. Je pense que là... Bon, bah, qui compte? Qui compte, les gars? Bonne chance à celui qui compte. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. En effet, donc les gars, c'est deux fois plus gros qu'un pack moyen. C'est deux fois plus gros qu'un pack moyen. En fait, le gros pack, le gros pack là qui est au milieu, tu peux mettre deux moyens. Ah mais oui, c'est ça à peu près, hein. Théma, c'est à peu près ça, c'est à peu près pareil. Putain, c'est deux fois plus gros, frérot. Donc là, les gars, on a 50 boosters Clash Royale. Sachez que c'est énorme. Sachez qu'un pack opening de 50 boosters, c'est énorme. J'en ferai pas souvent, mais voilà. Là, on y est, les gars. On y est. On est dans la découverte de boosters. Donc, on va ouvrir ça. Maintenant, on sait à peu près comment ça s'ouvre les boosters Clash. Enfin, on sait à peu près ce que ça représente, la rareté de chaque carte. De quelle manière ça s'ouvre. On sait que la rare, elle est en avant-dernière, etc. Mais du coup, on va essayer de compléter la collection, en fait, maintenant. On va essayer. Là, l'objectif, ça va être d'avoir des vraiment très rares. Déjà, là, c'est légendaire garantie. Légendaire garantie. Donc ça, ça fait plaisir. On sait que dans un booster, il y a forcément une légendaire. C'est cool. C'est qu'au moins, ils nous l'ont pas donné en mode, tiens, on te donne une légendaire. Tu sais, genre, ils auraient pu mettre une carte protégée avec... C'est une carte légendaire protégée. Non, là on sait qu'elle est dans un booster, on sait pas lequel. Après, est-ce qu'il y en a qu'une ou est-ce qu'il peut en avoir plusieurs? Je pense qu'en vrai, il peut y en avoir plusieurs. Mais juste, on sait qu'on en a une. Donc c'est cool. On sait qu'il y a une légendaire qui va tomber. Maintenant, le but, les gars, c'est d'en faire tomber le plus possible. D'avoir une commune de cette rareté, genre. Si on arrive à avoir une commune un peu jaune, orangé, rouge. Si on a une commune rouge, sachez que c'est juste incroyable. On sait toujours pas le 21 sur 50, ça représente quoi? J'aimerais bien savoir, les gars, si ça veut dire qu'il y a que 50 cartes comme ça dans le monde. Mec, imagine, il y a que 50 hordes de gargouilles comme ça. C'est possible, en vrai. Si ça se trouve, Clash Royale, ils ont imprimé que 50 hordes de gargouilles comme ça, et moi, j'ai la 21e sur 50. En vrai, c'est carrément possible. Et c'est juste ouf, tu vois. Ok, c'est parti, les gars. On a, pour commencer, de la Tesla, du Gobelin, bon, les communes, on a fait le tour, Barba, Esprit de Feu, et attention, notre première carte, rare entre guillemets, qu'est-ce que ça va être? Ouh, ok, du Feu à Gobelin en Indigo, c'est un petit peu, c'est un peu classique, mais c'est cool quand même, quoi. On aurait pu avoir ça en rose, et en rare, on a de l'extracteur d'élixir qu'on a déjà. Ok, on n'est pas sur un très gros booster, mais voilà, c'est le premier booster, ça fait plaisir. Pas de légendaire pour l'instant. Hop là, c'est pas mal. Oh, qu'est-ce qui se passe, frérot? Oh, c'est Yuki, frère. Yuki, elle a fait un faux contact. Yuki, elle était dans les câbles. Elle dormait dans les câbles, et en bougeant, elle a fait un faux... Attendez, 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 les gars. Ne vomissez pas, vous inquiétez pas, j'arrive. Merde! Yuki, t'as fait de la merde! Hop! C'est bon ou pas? Yuki! Ah merde, mais j'ai pas débranché le bon truc en fait, je suis en train de réfléchir là. Attends. Est-ce que c'est bon là? Attends, mais c'est toujours pas bon? C'est une boîte de nuit. Attendez, attendez, attendez. Ah, mais non, mais je voulais mettre comme ça, mais non. Si je mets comme ça, le truc c'est que je peux pas me rendre compte. Ah, ouais, c'est relou. Les gars, je suis désolé. C'est du morse, c'est un code morse. Les gars, je suis désolé. Si vous êtes épileptique, revenez dans 5 minutes. Je vais essayer de régler le problème. Putain, mais il y a juste un câble qui a bougé et ça fait bugger tout ça là. C'est bon ou pas? Putain, mes frères.
J'ai aucune idée de comment réparer ça. Hein. Oh les gars, c'est trop relou. Plus vite, s'il te plaît. Je sais pas comment faire. En vrai de vrai, je sais pas comment faire. Putain, mais attends, c'est trop chiant. Est-ce que c'est mieux? Ouais, y a plus rien. Oh! Michou technicien. Merci les gars. Michou technicien. Magnifique. Je suis trop chaud. Ok, on continue les gars. On continue, c'est parti, ni vu ni connu. C'est incroyable cette situation là. C'est incroyable frérot. Ta légendaire est jaune. Non mais non, elle brille quoi. C'est une légende. Je pense que c'est une légendaire classique en vrai de vrai. Elles doivent être comme ça les cartes légendaires. De toute façon, on va voir direct. Hein. Si on a une légendaire différente, on va le voir direct. Parce que là, de toute façon, on sait qu'on va avoir une autre légendaire. On va voir si elle est différente. Pour l'instant, les gars, vous avez un petit peu ma collection étalée juste ici. Donc vous savez. Les gargouilles. Les flèches. Le géant royal. Le GMK. Il est aberrant, frérot. Le canon. Et derrière, attention, c'est notre carte rare. Ouh, on n'a même pas eu de rare. Oh, ça fait mal. Ok, Ice Spirit suivi d'un Ice Golem. On est dans le Ice, quoi. On est dans le Ice. Très bien. Booster merdique. Booster merdique. Le gros pack, pour l'instant, il me chie à la gueule. C'est le pire début de pack opening. Mais c'est pas grave. Allez, les gars. Hop là. Le mortier, le chevalier, le... Oh merde, j'ai spoil! J'ai spoil! Il va y avoir du rose, les gars! Ok, l'esprit de glace en rose, je pense que je l'ai déjà. De toute façon, en vrai, là, les communes en rose, je commence à beaucoup les avoir. Hein. Ok. Et le géant que j'ai déjà. Ok, bah là, on va commencer à faire le tour, les gars. Là, on va commencer à galérer à aller chercher des cartes que j'ai pas déjà. Hein. Géant, c'est cool, mais j'ai déjà, tu vois. Toute façon, je vais vous dire direct si, s'il y a une carte que j'ai pas. En vrai, épique, il m'en manque beaucoup. Commune, j'ai tout. Après, commune rose et violette, j'ai pas tout, mais c'est assez facile à avoir. Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir une commune jaune, orange ou rouge. Rare. Rare, il m'en manque sûrement pas mal. Après, on peut avoir des rares différentes, je crois. Épique, j'en ai que 3. J'ai le PK, le clonage, le miroir. Et légendaire, j'ai que celle-là. Donc, en vrai, il y a encore beaucoup, beaucoup à débloquer. Archer, Tesla, Gobelin. Et derrière, s'il te plaît, frérot, un truc un peu rare. Oh putain, du mortier rose, mec. Le mortier, il est là tout le temps. Il me rend ouf, ce mortier, il me rend dingue. Et en rare, on a une tour de l'enfer que j'ai déjà! Que j'ai déjà. Aïe, 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 aïe! Les gars, là, on commence à avoir vraiment pas mal de doublons. Hein. On commence à avoir pas mal de doublons. T'as 415 boosters en tout. Ah ouais? Bah, j'ai 48 x 3, 24 x 10 et 3 x 9. Donc, je sais pas, ça fait combien. Mais voilà. Sauf que là, j'en ai déjà ouvert 48, 24 et 3. Enfin, les 48, je les ai pas encore ouverts, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'on compte ouvrir. Hop, c'est parti. Ok, on a un petit zap, des squelettes, la horde de gargouilles, les bas. Ouh, let's go! Oh, je me suis fait surprendre! Je me suis fait surprendre! En fait, je suis trop habitué au booster Pokémon. Du coup, le fait que la rare, elle soit au bout de 4 cartes, ça me surprend toujours. Ok, la sorcière, les gars, let's go! Quatrième épique dans ma collection. C'est la sorcière. Je l'avais pas du tout. Oh, je suis trop content. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et derrière, en rare, on a les trois mousquetaires. Je les ai déjà. Très bien. Oh, je suis content. Les gars, la sorcière, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En fait, les épiques, c'est un petit peu. C'est un peu une V, quoi. C'est une V shiny, je dirais.
Je dirais c'est une V Shiny. Et les légendaires, c'est les V Max Shiny. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, la V Shiny que je veux, c'est le golem. Et la V Max Shiny que je veux, c'est le cimetière. Tu vois ce que je veux dire pour comparer à Pokémon. Et les cartes comme ça, c'est les gold. Et après, il y a les communes rouges. J'ai jamais eu. De toute façon, je pense qu'on en aura peut-être jamais même. Et si on en a une, c'est Gucci, quoi. C'est rareté plus, plus, plus. Ok. Et après, je crois qu'on peut avoir aussi des légendaires différentes. Et là, c'est encore plus, plus, plus que les communes rouges. Tu racontes n'importe quoi, Michou. Non, je vous jure, les gars. J'ai lu, je me suis renseigné. Ok, c'est parti. On a du chevalier, du bombardier, du gobelin en lance, du zap et attention derrière en 4 rares. Ok, on a les battes en rose. C'est pas ouf. Et le Ice Golem, putain, encore. Lui, le frérot, je pense que c'est la rare que je vais avoir le plus, hein. Ouais, les cartes roses, en vrai, les cartes roses et violettes, c'est pas très rare. Hein. Enfin, rose et indigo. Les roses et les indigos, elles sont quand même souvent là. J'aimerais bien avoir une commune verte. Commune verte, c'est très rare. Bah, la preuve, hein, on en a eu zéro. Mais ça reste quand même moins rare que jaune ou orange. Ou rouge. Gang de gobelins. Bat, mignon. Les flèches et attention derrière poteau. Ok. Ok, d'accord. Booster un peu nul, les gars. J'ai déjà tout. Enfin, en vrai, c'est cool, tu vois. C'est un bon booster. Enfin, c'est un booster. Non, c'est un booster classique. Les boosters comme ça, c'est les boosters classiques. Pour l'instant, on n'a pas des trucs de malade. Avant de dévoiler la carte la plus rare du pack, dévoile la rare. Ah, j'avoue, pas bête. J'avoue, je vais faire ça. Ah ouais, attendez. Je vais ouvrir différemment les boosters, les gars. Pour mettre le suspense jusqu'au bout. Pour mettre le suspense jusqu'au bout. Regardez ce que je vais faire. Putain, mais j'ai pas réussi à ouvrir le booster, c'est dingue. J'ai éclaté le booster. Commune qui coûte 6 d'élixir. Ça, c'est les barbares d'élite, ça. Ça, c'est les barbares d'élite, ça. Ah, ah non, c'est le géant royal. Le géant royal. Attendez, les gars, je vais ouvrir les boosters différemment. Regardez. Commune, Ice Spirit. Là, on sait que derrière, il y a la carte rare du pack. Sauf qu'on va prendre la dernière. Du coup, c'est une rare classique. La méga gargouille que j'ai déjà. Et du coup, en dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Ouh! Ah non, attends. Et oh, oh, c'est une rare de moula, ça. C'est une rare de moula, je m'étais dit, il y a un bail chelou. Regardez les gars, je vais vous montrer. Déjà, il y a écrit 32 sur 50. Il y a écrit 32 sur 50. Alors que la boule de feu, les gars, c'est la carte 5. Donc, l'inscription machin sur 50, je pense que ça veut vraiment dire qu'il n'y a que 50 cartes comme ça dans le monde, hein. Je pense vraiment que ça veut dire ça. Et regardez, en fait, j'avais vu que la brillance, elle était bizarre. Je sais pas si vous arrivez bien à distinguer, les gars. Mais en gros, la brillance, c'est des coffres à couronne. C'est des coffres à couronne. Genre, la brillance, elle montre des coffres à couronne. Et c'est ça, en fait, qu'il y avait écrit derrière les boosters. Regardez, à un moment, il y a écrit base rare. Crown Chest Foil, une chance sur 226. C'est une chance sur 226 d'avoir celle-là, les gars. Imaginez-vous. C'est une chance sur 226 boosters d'avoir une rare comme ça. Et après, j'aurais pu avoir encore plus rare. Genre le logo Shield. J'aurais eu un logo bouclier en brillance. Ça aurait été encore plus rare. Et le gemme, la brillance gemme. C'est encore plus rare, c'est une chance sur 12 000, les gars. J'aurais eu la brillance gemme. Ah, donc c'est ça que ça veut dire. Et après, on peut avoir pareil avec les épiques, les gars. Les épiques, on peut avoir une brillance bouclier. C'est une chance sur 450. On peut avoir la brillance gemme. Une chance sur 12 000 aussi. Et les légendaires, on peut avoir la brillance gemme.
Et c'est une chance sur 17 500, les gars. Les légendaires, t'as la brillante. Bah, c'est la carte la plus rare du jeu. Les cartes les plus rares dans ce jeu, les gars, c'est les légendaires avec une surbrillance qui montre les gemmes. De toute façon, t'as une carte avec une surbrillance gemme, tu sais que c'est une carte de moula. Les gars, si on a une carte qui a une surbrillance gemme, c'est une carte de moula. Mais déjà là, c'est déjà une carte de grosse moumou. C'est déjà une carte de moula et là, je suis très très content, les gars. Je suis très très content, bordel. Oh, ça fait plaisir. En plus, la boule de fée, c'est une rare que j'aime le plus. Bon, c'est un sort, tu vois. Mais c'est une rare que j'aime le plus. Ça, ça part direct sous grosse protection. Je sais pas si vous avez un peu suivi toutes les systèmes de rareté différentes. Mais moi, je me suis compris. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je voulais expliquer, là? Ce que je viens d'expliquer, vous avez compris ou vous avez rien compris? De toute façon, c'est simple. On peut avoir des communes. Si on a une commune avec un fond de couleur verte, jaune, rouge ou quoi que ce soit, c'est une carte très rare. Si on a une rare avec de la surimpression coffre, c'est très rare. Et si on a une rare ou une épique ou une légendaire avec surimpression gemme, c'est ultra méga rare. Voilà, j'ai tout capté. Oui, oui, oui. Ok, bah parfait. En vrai, il y a beaucoup de raretés différentes. Hein. Par contre, ça, c'est un truc de fou. Oh, ça fait plaisir. Là, on vient d'avoir une très grosse carte. Hein. Je sais pas si c'est plus rare. Bah oui, c'est beaucoup plus rare qu'une légendaire. Mais en vrai, c'est beaucoup plus rare qu'une légendaire. Hein. Parce que, les gars, légendaire, c'est écrit... Une légendaire de base, c'est une chance sur 48. Donc, c'est beaucoup. C'est une chance sur 48 boosters, les gars. T'imagines? En vrai, c'est... J'ai une chance d'en... Bah, en fait, c'est une chance d'en avoir... Ah oui, mais c'est pour ça, légendaire garantie. C'est parce que les gars, j'ai 48 boosters dans le pack. C'est pour ça légendaire garantie. Parce que les légendaires, c'est une chance sur 48. Alors que là, ce que j'ai eu, c'est une chance sur 226, t'imagines? Putain, en vrai, je suis en château, bordel. Ok. Archer, pas mal du tout. Ouais, non, en vrai, c'est de la commune classique, c'est un peu à chier. Tesla, gobelin. Barbare, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir, mon frérot? Ok, les archers en rose, c'est pas méga ouf. Et la tombstone. Ouais, les rares, je pense que là, on a commencé à faire le tour. Hein. Je pense qu'il y a encore pas mal de rares que j'ai pas. Mais là, on a beaucoup de doublons. Ah, mais attendez, faut que je refasse la technique, en fait. C'est la technique qui a marché, les gars. C'est la technique qui a marché. Il faut que je prenne la dernière carte avant l'avant-dernière. C'est comme ça que j'ai eu la méga boule de feu. Hop. Tac. Ok, les gars. Squelette, horde de gargouille, barbare d'élite. Et avant de prendre l'avant-dernière carte, on va prendre la rare qui est la tour de l'enfer. Ok. Que j'ai déjà. Et du coup, en carte rare, qu'est-ce qu'on a? Ouh! Eh, ça marche bien! Petite épique, les gars. L'Arkix, épique que j'ai pas. Épique que j'ai pas, ça fait plaisir. Putain, bordel. Mais là, on est sur un très gros pack opening. Hein. Bordel. Carte épique. C'est quand même rare à avoir. On en a encore une. On a eu la sorcière, l'Arkix. C'est pas mal du tout. On n'a pas encore une autre légendaire garantie en plus. Donc, frérot, on est très bien. La technique, elle nous permet d'avoir des rares. Vous avez vu ou pas? En vrai, ça veut rien dire. J'ouvre un booster, le booster il est déjà scellé. Donc je peux l'ouvrir de n'importe quelle manière. J'aurai toujours la même. Oh, venez, on fait une ouverture au culot. Eh les gars, ouverture au culot ou pas? Regardez. On s'en fout. Bon, en fait, c'est une ouverture classique que je suis en train de faire là. Je suis en train de me rendre compte. On s'en fout. Ok, les archers en indigo, très bien. Et en cartes rares, on a les électrocuteurs. C'est des cartes que j'avais déjà. En fait, je voulais faire une ouverture au culot, j'ai fait une ouverture classique. Donc, je suis quand même un peu con. Je suis quand même un peu con. Tu ouvres quoi, Michou, là? J'ouvre des boosters officiels Clash Royale qui sont sortis en 2018. Et qui n'existent plus. Que t'es obligé d'acheter par des revendeurs, en fait. Ok, c'est parti. On continue. Les gars, on a encore tellement de boosters à ouvrir, bordel. Tac. Hop là. J'espère que vous kiffez en tout cas le pack opening.
Hop là, du coup, non, ouverture au culot, c'est plus les communes, on s'en fout, on prend directement la rare qui est une roquette que j'ai déjà, et attention, la vraie rare, elle est là, frérot, et c'est quoi? C'est une Tesla rose, donc c'est pas ouf, c'est pas méga ouf, et en commune, on a tout ça. J'arrive toujours pas à savoir c'est quelle commune la première là. Ah, apparemment, c'est les flèches, attendez les gars, j'ai les flèches. Est-ce que c'est la carte numéro 1? Oh oui, vous avez raison. Les flèches, c'est la carte numéro 1, les gars. C'est la carte numéro 1 de toutes les cartes Clash Royale. C'est les flèches. L'archer magique, ça doit être une carte... C'est la 82, l'archer magique, mec. Je pense que c'est une des dernières. Et je me demande même si c'est pas la dernière. Hop là. La roquette. On la met directement sous protège-carte. La Tesla, elle va partir sous protège-carte. La légendaire a des gemmes. Non, 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 les gars. Me trollez pas, la légendaire, elle a pas de gemmes en surimpression. Vous vous foutez de moi, là. En vrai, ça se voit, je pense. J'ai calculé, il existe que 10 cartes communes rouges de chaque commune. C'est peut-être ça, hein. En vrai, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être là, peut-être les oranges, c'est 50. Ou les jaunes. Et peut-être les oranges, c'est 25. Et les rouges, c'est peut-être que 10, hein. Mais comment ça t'as calculé? Comment t'as pu calculer? What the fuck? Genre t'as calculé, c'est une chance sur 12 000, sachant qu'il y a 30 communes, ils ont sorti 100 000 boosters. Putain, en vrai, si t'as vraiment calculé, t'es chaud. Ok, les bats, les minions, les flèches, le géant royal, attention, en carte rare, qu'est-ce qu'on a? On a les gargouilles en rose, c'est pas fou, et la mousquetaire. Ok, on a pas mal de doublons. Ah les gars, là, là ça va commencer à être dur. Hein. Mais par contre, c'est ouf comment les légendaires sont vraiment méga rares. Hein. Bordel, j'ai eu qu'une légendaire. Mais après, ouais, c'est un booster sur 48. Les gars, les légendaires, elles sont dans un booster sur 48. C'est vraiment chaud de sortir une légendaire en vrai. T'imagines, un booster sur 50. Sur toute la display, j'ai une seule légendaire de garantie. Après, peut-être, je vais avoir de la chance et je vais en avoir deux, tu vois, mais... C'est vraiment dur, hein. Ok, barbare d'élite, gang de gobelins, chauve-souris, gargouille. Attention derrière, s'il te plaît, un truc. Ouh, une épique, let's go! Let's go! On commence à avoir pas mal d'épiques avec un mini PK, je l'ai déjà. Et je crois que je commence à avoir toutes les rares, en fait, là. Oh, ça fait plaisir. Bon, épique classique, tu vois, il n'y a pas de surbrillance. Mais c'est pas mal, hein. Là, j'ai 5 épiques différents, je crois. Et j'ai le PK en double. En vrai, PK, ça va, c'est une bonne épique à avoir en double. Ah non, attends, mais j'en ai beaucoup, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai 6 épiques différentes. Putain, frère. C'est pas mal du tout, hein. Je commence à avoir pas mal d'épiques. Hop là. On met le mini PK sous protège-carte. Et on continue. Putain, à la base, frérot, le live, il devait durer 2 heures. Mais je pensais pas qu'il allait avoir autant de boosters dans chaque pack. Je pensais pas. Mais du coup, voilà. Hein, encore une fois, là, je les ouvre comme ça, juste pour le plaisir d'ouvrir. Et c'est déjà trop, trop bien. Mais plus tard, on pourra essayer de faire des concepts. Et en plus, si on arrive à avoir des cartes rares, c'est incroyable, tu vois. Genre, si je fais un concept, créer un deck avec les cartes que j'ai dans un booster et qu'au final, je me retrouve à pas qu'une légendaire, c'est bénef. Le géant royal, le canon, l'esprit de glace. Attention derrière, la carte rare. Ok, les gobelins en rose, c'est pas fou du tout. Et le bélier de combat, c'est une rare que j'ai déjà deux fois, je crois. Hein. Je crois que j'avais déjà deux fois. Hein. Hop, je protège quand même tout. Même les communes, je pense que je les protégerai, les gars, à la fin du live. Quoique, tu me diras, les communes, ouais, mais si, quand même. Hein. C'est des cartes de 2018. Hein. C'est des cartes de 2018. En vrai, pourquoi t'as arrêté les Pokémon? Les gars, sachez que j'ai recommandé des boosters Pokémon. Je vous dirai rien de plus, mais j'ai recommandé des boosters Pokémon, frérot. Je crois que je suis vraiment accro, hein. Mais ça va, je me suis calmé, j'en ai commandé beaucoup moins. Ok, Fuyasquelette, Archer, Tesla,
Gobelin, attention, en carte rare. Peut-être la légendaire, frérot. Peut-être la légendaire, on va finir par s'y approcher, hein. Ouh, du géant squelette. La pire épique du jeu. On va se le dire, frérot. La pire épique du jeu. Et de la tour à bombe, bah putain. Booster thème squelette, hein. Ok, ça fait plaisir, les gars. Encore une épique que j'avais pas. Encore une épique que j'avais pas. En vrai, si j'arrive à avoir toutes les épiques du jeu, ça serait quand même méga cool, hein. Ce serait quand même méga cool. Et ben putain. C'est carré, hein. Tu as acheté combien de packs? J'ai 3 packs de 48 boosters, 10 packs de 24 et 9 de 3. Hop. Hop. C'est parti, on continue. 21h30, tu auras le mineur. Retiens mon pseudo. Ok. ZLK m'a dit ça, hein. ZLK, selon lui, il y a le mineur qui tombe à 21h30. Ok, les barbares. Esprit de feu, mortier, chevalier. Et derrière, en carte rare, on a des barbares roses. C'est pas fou. Le gobelin, Sarbacane, on l'a déjà aussi. Tac, tac, tac. On sleeve tout ça. Ok, booster un peu décevant. Ouais, du coup, en fait, les communes avec un fond rose, c'est pas des trucs de ouf. Je pensais. Tac. Attendez, pour aller plus vite, je vais sortir les sleeves. Ok, c'est parti. J'ai un conseil, prends toutes tes cartes, mélange-les et pioche au pif 8 cartes. Ouais, pour faire un deck, ouais, j'avoue. Plutôt qu'ouvrir un booster, parce que c'est vrai que quand tu ouvres les boosters, tu peux pré-shot. Parce que... Déjà, le problème, c'est que tu sais que t'as 4 communes forcément, t'as une rare et après une, tu sais pas, mais c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. Esprit de feu, mortier, derrière le mortier, c'est quoi? C'est les archers, je crois. Ah non, c'est le chevalier. Mais tu vois, c'est tout le temps la même chose. Allez, en carte rare, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît, un truc de fou, là? Ouh! Déjà, c'est un truc qui brille. C'est un truc qui brille, donc c'est pas une commune. C'est soit une légendaire... Soit une épique. Oh, allez, légendaire, s'il te plaît, frérot. Oh, c'est une épique et c'est le sort de poison. Ah, mais non, de toute façon, légendaire, on aurait vu. La brillance, elle aurait été un peu dorée. Ah ouais, légendaire, ça se reconnaît. Il y a une brillance un peu dorée. Ok, mais épique, ça fait plaisir. Épique, en plus, le poison, je l'avais pas. Je l'avais pas, donc encore une nouvelle épique, hein. Putain, les gars, on débloque pas mal d'épiques, là, hein. Ça fait plaisir. Toujours pas de légendaire qui est tombé. Après, on a eu la boule de feu 32 sur 50. Ça, c'est pas mal non plus. Hop là. Allez, frérot, fais-nous vibrer. Fais-nous vibrer. N'empêche, les probabilités, elles sont dures quand même, hein. Les gars, genre, une commune rouge, c'est une chance sur 12 000. Mec, c'est méga dur. Une chance sur 12 000 boosters. Le bombardier. Le gobelin en lance. Alors que, imaginez-vous que le Dracofeu Shiny, c'était une chance sur 400 boosters. Là, une commune rouge, c'est une chance sur 12 000. Une légendaire qui brille en surimpression, c'est une chance sur 17 000, mec. Dracofeu Shiny n'a qu'à bien se tenir. Ok, le zap, squelette, ok, le chevalier en classique, pas méga ouf. Et la fournaise, ok, c'est deux cartes que j'avais déjà. Tac. Enfin, quand je dis en classique, c'est en rose, quoi. Mais les cartes roses, c'est les moins rares. 21h28, tu packs la légendaire. Mais en vrai, elle va bientôt arriver, hein. J'ai déjà fait bientôt la moitié du gros pack. Donc, on va arriver dans la deuxième moitié. Après, faudra bien qu'elle tombe à un moment. Mais Théma, ta légendaire, putain. Oui, mais elle brille... Mais regardez, c'est ça quand je vous dis qu'elle brille avec des trucs en surimpression. Genre là, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu dur. Mais tu sais, il y a des coffres en surimpression. Alors que là, ma légendaire, elle brille lisse, quoi. Elle brille, hein, mais c'est classique. C'est une légendaire classique, quoi. Ok. C'est parti. Horde de gargouille. Barbare d'élite. Gang de gobelins. Chauve-souris, après si je suis pas con, c'est les... Ah mais non, j'allais dire c'est les gargouilles, sauf qu'après ça va être la carte rare. Qu'est-ce qu'on va avoir? De la Tesla en indigo. Ok, et pour terminer, du sort de soin. Eh ouais mon frérot. Bon, je l'avais déjà,
Mais le sort de soin, j'aime bien l'avoir, comme c'est une carte qui n'existe plus. Je trouve ça marrant, tu vois, pour l'anecdote. 21h48, tu packs la légendaire. On va voir. Bao. La nostalgie. Mec, de ouf. Le sort de soin, c'est vraiment la nostalgie. Hein. Moi, quand je jouais, le sort de soin, il était dans le jeu. Et je crois que... En 2018, ouais, je faisais encore des vidéos Clash Royale en 2018. Dimitri Maquin, merci pour ton sub, mon frérot. Merci beaucoup, Dimitri Maquin. Ok, c'est parti. Les minions, les flèches, le géant royal, le canon, et derrière, en carte rare, qu'est-ce qu'on va avoir? Du bombardier en rose, c'est pas méga rare, et du chevaucheur de cochon. Ok. Putain, en vrai, les cartes roses, elles me foutent le seum, du coup. Au début, vous vous rappelez, les gars, le début du live ou pas? Est-ce que vous vous rappelez juste le début du live? J'étais content d'avoir ça. Maintenant, j'ai le seum. Vous vous rappelez, on a découvert les cartes Clash Royale. J'étais en mode, oh, une commune rose. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, j'ai une commune rose. J'ai le seum, hein. Bam! Ok, esprit de glace. Feu à squelette. Archer. Tesla, et attention, derrière en carte rare, qu'est-ce qu'on va avoir? On monte doucement. Oh, on n'a même pas de carte rare. Enfin, on va avoir une rare. Mais on n'a pas de carte rare. Oh, putain. Oh, je suis dégoûté, quoi. Oh, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté, c'est le pire booster. Finalement, quand j'ai des cartes roses, je devrais être content. Hein. Finalement, les gars, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a. Parce que là, je me suis plaint des cartes roses, j'ai rien eu. What the fuck, tour à bombe, 5 d'élixir. Bah ouais, pourquoi c'est choquant? Elle est à 4 d'élixir maintenant, la tour à bombe? Attends, j'arrive pas à trouver la carte tour à bombe, là. Je trouve plus ma rare tour à bombe. Mais attends, mais il est en retard, le mec qui a dit ça, c'est pas possible. J'ai pas pack de tour à bombe depuis une heure. Ah si. Tour à bombe, 5 d'élixir. Elle est à 4 d'élixir maintenant, la tour à bombe. Bah, y a moyen, les gars. Hein. En vrai, les cartes, elles ont changé depuis. Hein. En plus, comme la tour à bombe, avant, elle était pas jouée du tout. Y a moyen que... Il les up pour que les gens, ils la jouent plus. Maintenant, elle coûte 4. Ah ouais. En vrai, c'est incroyable, hein. En vrai, c'est incroyable, du coup. En vrai, c'est stylé. Moi, j'aime trop voir les trucs comme ça, genre les cartes qui ont changé. Le mortier, le chevalier. Et derrière, on a du zap en rose. C'est pas ouf. Et la cabane de barbare. C'est pas ouf non plus. Ok, et eh ben très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vibré, là. Même une petite épique, ça ferait plaisir. Hein. Allez, mon pote. On a toujours pas eu la légendaire, hein. Putain, elle veut pas sortir, frérot. Ok, moi j'aimerais bien avoir deux légendaires, parce que légendaire garantie, c'est cool. Si on peut en avoir deux, c'est mieux. Bombardier, gobelin en lance, zap, squelette. Oh, j'ai même pas eu de rare, mes frères. Je me fais chier dessus, là. Je me fais chier dessus, j'ai même pas eu de carte rare. C'est quoi ça? C'est parce que je me suis plaint, en fait. Hein. Oh, j'adore. En vrai, j'ai quand même eu la chance d'avoir une machine volante dans ce booster. C'est quand même... C'était quand même un de mes objectifs aujourd'hui. Allez, les barbares d'élite. Le gang de gobelins. Les chauves-souris. Les gargouilles. Les gobelins lance en rose. Et le collecteur d'élixir. Bon, je vais pas me plaindre parce que si je me plains, j'ai pire que mieux, mais... voilà, quoi. Je dirais rien. Bao. Hop là. Demande à Elsa de t'aider comme avec Dracofeu, je te jure, hein. Je te jure. Mais en fait, là, c'est parce que c'est moi qui ouvre, hein. J'ai pas des trucs de ouf. Mais après, en vrai, les raretés, elles sont méga dures, hein. Et une légendaire, c'est 1 sur 50 boosters. T'imagines ouvrir 50 boosters? Ça prend grave du temps, ouvrir 50 boosters. Ok, le bombardier, le gobelin lance, zap, squelette, et les gobelins en indigo, cette fois pas en rose, avec une valkyrie
Ok, petite 4, rare classique. Pour l'instant, j'ai pas eu de. Ah, mais si, j'allais dire, j'ai pas eu de rare qui brillait d'une certaine manière. Mais en fait, si, la boule de feu. Bon, les gars, tout à l'heure, j'ai rien eu. Après, j'ai eu une carte rose. Là, j'ai une carte indigo. Logiquement, après, on devrait avoir une carte bleue. Ça serait cool en vrai, juste pour savoir c'est quoi. Surtout, carte bleue, c'est une chance sur 50. C'est pas non plus méga rare. Enfin, si, quand même, mais. Ok. Horde de gargouilles, barbare d'élite, gang de gobelins, chauve-souris en rare, qu'est-ce qu'on a? On a de l'esprit de feu, ok. Et du sorcier. Mais on a fait le tour des rares, hein. Je crois que j'ai toutes les rares, les gars. Je crois que j'ai toutes les rares du jeu. Je peux peut-être me faire surprendre plus tard sur une rare, mais ça m'étonnerait, hein, parce que là, je commence à avoir tout en double. En triple même. Eh ben les gars, j'ai ouvert déjà 24 boosters, hein. J'ai ouvert déjà la moitié des boosters du pack. J'ai ouvert la moitié des boosters du gros pack. Et honnêtement, on a eu pas mal d'épiques. On a eu cette carte qui est quand même pépite. On va pas se mytho. En vrai, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, du canon. De l'esprit de glace. Oh merde, j'ai spoil. J'ai spoil, on a du canon en indigo. Ok, c'est pas mal, mais pas ouf non plus. Et en carte rare, on a de la fournaise. Je pense que toutes les communes, je les aurai en rose et en indigo à la fin. Tu vas avoir le golem courage. Putain, j'avoue, le golem, j'aimerais tellement l'avoir, les gars. Le golem, bordel, je le veux. Je le veux. Les frérots, je le veux, le golem. Le bombardier est à 2 maintenant, alors que sur les cartes, il est à 3. Ah ouais, le bombardier, il a. Ah ouais, j'avoue, je crois qu'il a 2 d'élixir, exactement. C'est vrai que le bombardier a changé aussi. C'est vrai que sur les cartes, le bombardier, il coûte 3 d'élixir, alors que maintenant, il coûte 2. Très bien analysé, ça. Hein. C'est comme les esprits de feu, hein, ils coûtent 1. Hein. Ok, et attention. Ok, les petites flèches. Les petites flèches en rose. Avec le sort de heal. Aïe aïe aïe, on fait vite le tour quand même. Enfin, on fait vite le tour. Après, ça fait quand même 2h30 que j'ouvre. Voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. J'attends le moment où on va vibrer. En tout cas, là, on se rapproche de la légendaire petit à petit. La légendaire, putain, qu'est-ce que je veux en légendaire? En vrai, je veux. En vrai, le cimetière. Eh, hey, le cimetière, c'est vraiment la légendaire que j'ai envie de débloquer à tout prix. Et si je peux avoir un cimetière? Ou princesse ou sorcier de glace, parce que c'est une des deux premières légendaires. Enfin, c'est les deux premières légendaires qui sont sorties, donc c'est quand même iconique. Allez, s'il te plaît, une légendaire derrière. Oh putain, un zap même pas rare, quoi. Un zap classique, quoi. Oh là 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 là. Et un chevaucheur de cochon. Merci d'être là. Tu rattrapes un petit peu la mocheté de ce booster. Tu vas avoir méga chevalier. Ouais, j'avoue, méga chevalier, je serais. En vrai, méga chevalier, je kifferais l'avoir aussi. Hein. J'avoue, en vrai, méga chevalier, cimetière ou princesse sorcier de glace. En vrai, il y a beaucoup de légendaires que je veux. Hein. Allez, les squelettes, horde de gargouilles, barbare d'élite, gang de gobelins. Allez, derrière, derrière, faut que ça vibre. Faut que ça vibre. Du géant royal en rose. Très bien. Le GMK rose, quoi. Le GMK rose, je crois que je l'avais pas en rose le géant royal. Bon, en vrai, GMK rose, pourquoi pas? Et derrière, on a de la boule de feu. Putain, la boule de feu, je l'ai, hein, frérot, je l'ai sous toutes les formes. Hop, le géant royal, on va le sleeve. Tac, tac, tac. En vrai, j'ai tellement de cartes sleeve. Allez, c'est parti, on continue. Nouveau booster. Mais du coup, le golem va être comme à l'ancienne. Ça sera pas le nouveau, je pense. Comment ça? Le golem, il a pas changé, frérot. Il a toujours coûté 8 d'élixir. Il a toujours eu la même illustration. Enfin, je crois. Ok. Les chauves-souris. Les gargouilles. Les flèches. Le géant royal. Allez, au moins une épique, frérot. Au moins une épique. Un golem. Putain, mais non! Mais non! Mais non! Aïe 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 aïe! C'est pas mal, mais c'est pas mal! C'est pas mal parce qu'on a eu quand même quelque chose.
va pas se plaindre. Mais si, on va se plaindre. Parce qu'on aurait pu avoir mieux. Putain, mais la légendaire. Wesh. Imaginez, je me fais arnaquer, y'a pas de légendaire dans le pack là. Eh, je vais commencer à stresser, hein. Déjà là, deux légendaires, je pense que c'est mort. Mais j'espère qu'il y en a au moins une, quoi. Canon, esprit de glace, feu à squelette, archer. Allez, poteau. Ok, le canon en rose. Putain, ok. Ok. Les gars, là, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Pour l'instant, le... ça avait bien commencé, hein. Mais là... Wesh, ça fait combien de temps que j'ai pas eu une épique ou quoi? Hashtag carte légendaire. Il y en a un, il avait dit 21h30. Et ben, il s'est gouré, le frérot. Allez, là. Allez, mon pote. Les gargouilles. Les flèches. Le géant royal. Le canon. Ouh, GMK en indigo. On l'a eu en rose. Cette fois-là en indigo. Le GMK, c'est bon, je l'ai sous toutes les formes. Enfin, après, il existe en bleu, en vert, en jaune, en orange. J'avoue, ils ont fait un arc-en-ciel, Clash Royale. Ok, et en 4 rares, on a du gobelin Sarbacane. Ouais, les 4 rares, je pense que je les ai toutes. Hein. De toute façon, je vais le voir direct s'il y a une carte que j'ai pas. Je vais reconnaître, je vais dire, eh, celle-là, je l'ai pas vue. Mais je pense que je les ai toutes. Tac. Et ben magnifique. Le géant royal, il est là, frérot. Hop. Les communes, on les range. Merci Emilio pour tes 5€. Merci les gars, tous ceux qui font des dons. Adam, merci pour tes 5€. Arto, merci pour ton sub. Mec, la légendaire, elle va être dans le dernier booster ou c'est comment? Putain. Allez là. Ice Spirit. Feu à squelette. Archer. Tesla. Ok, gang de gobelins en rose. Et la Valkyrie. On connaît maintenant la boule de feu et la carte numéro 1. Non, frérot, c'est les flèches. Le prince, avant, il était en rare. C'était une carte rare avant le prince? Ah, il y a moyen, ça me dit un truc. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais je pense qu'on l'aurait déjà eu. Je pense que là, il doit être en épique dans le jeu. Parce que sinon, on l'aurait déjà eu. Attendez les gars, il me reste plus que ça de booster. Déjà dans ça là, il y a forcément une légendaire. La légendaire est forcément quelque part. Et tu sais quoi? Je pense qu'elle est dans ce booster là. Je pense qu'elle est là. Mec, si elle est là, je suis un génie. Hein. Si elle est là, je suis un génie. Si elle est là, je suis un putain de génie. Oh, je le sens, c'est plus lourd. Ah, je me demande si on peut les peser, les boosters Clash Royale. Est-ce que si on pèse les boosters Clash Royale, ça marche? Oh, je vous le dis, c'est plus lourd. Il y a une légendaire. Ok, esprit de glace. Feu à squelette. Archer. Et attention. Regarde. Allez. Le cimetière. Le méga chevalier. Oh, mais bordel! Oh là là, la Valkyrie, frérot! Valkyrie, je suis content de t'avoir une fois, mais regarde, t'es là, t'es partout, frérot. Purée. Mais attends, mais je me suis fait arnaquer, en fait. J'ai pas de légendaire. Mec, par contre, si la légendaire, elle est dans le dernier booster que j'ouvre, c'est quand même improbable. C'est quand même que je suis très peu chanceux dans les ouvertures de cartes. Hein. Parce que ça voudra dire, la légendaire, elle m'a fui le plus longtemps possible. Barbare, esprit de feu, chevalier. Ouh, voilà, une épique enfin, frérot. Let's go. Bon, on en a eu pas mal des épiques, mais là ça faisait longtemps. Du sort de gel, en plus je l'avais pas. Ça fait plaisir. Et derrière on a une petite cabane de gobelins que j'ai déjà. Ouh, le sort de gel, je suis content. C'est dommage, il est classique. Il y a pas la surbrillance gemme. Il surbrille pas en mode gemme. Ça aurait été stylé. Mais je vais pas me plaindre, frérot. J'ai eu une épique. Je suis déjà très content. Et voilà quoi. Hop là, c'est parti. On continue, mon pote. Allez. Allez, mets-moi bien là. Mets-moi bien. Si je peux avoir
S'il te plaît. S'il te plaît. La légendaire. Non, en vrai, la légendaire, je l'aurai quoi qu'il arrive. Squelette. Ok, ça c'est pas forcément ce que je voulais. Et la méga gargouille derrière, on connaît déjà. Mec, la légendaire, je te jure, je vais l'avoir dans le dernier booster. Je le sens. Retiens bien, tu as pas de légendaire. Mais hey, si j'en ai pas, c'est vraiment un sketch. Hein. Non, mais en vrai, les gars, il reste encore quasiment 10 boosters. Je pense que si. Je pense que si. Hop. Allez, mon pote. Allez, là. Je veux vibrer. On a eu une épique, c'est pas mal. Mais on peut avoir encore mieux, frérot. Le gang de gobelins. Les chauves-souris. Et des... Oh! Nouvelle rareté, les gars. Rareté que j'ai jamais eue. Une commune verte. Une commune verte. Ah, et là, 33 sur 99, c'est écrit. C'est écrit 33 sur 99. Oh, mais je pense que donc c'est vraiment ça. Je pense que là, 21 sur 50, c'est qu'il n'y a que 50 cartes comme ça dans le monde. Et là, sur 99. Parce que la rareté verte, elle est un petit peu moins rare. Oh, bordel! Et derrière, on a de la tombstone. Magnifique. J'ai eu un squelette et de la tombstone. J'ai le 33e Larry, les gars. Le 33e Larry. Oh, ça fait plaisir. Très grosse carte en vrai, hein. Ça, c'est une carte très rare. Mec, dis-toi, il y en a 99 dans le monde. En vrai, c'est ouf. En vrai, c'est ouf. Dis-toi, ce squelette-là, il y en a 99 dans le monde. Et j'ai le 33e. Et en vrai, même pas, en vrai, il est unique, comme il y a écrit 33 sur 99. En vrai, il est unique. Le 33 sur 99, il n'y en a qu'un. Putain, ça fait plaisir, j'ai trois cartes comme ça. J'ai trois cartes un peu collection, quoi. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Je vais regarder la rareté. La rareté des cartes vertes, les gars, c'est une sur 125. T'imagines, c'est deux fois plus rare qu'une légendaire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est plus rare qu'une légendaire. Putain, je suis content. Bordel, je suis trop content. Du coup, on a la petite tombstone. Paf. Oh, ça fait plaise. Putain, mais t'es un chanceux avec les cartes. Mais attends, en vrai, j'avoue, parce que, attends. Mec, une chance sur 125. Ça veut dire que ça rembourse déjà le gros truc. La boule de feu. La boule de feu, c'est... Attends. C'est rare avec les couronnes. C'est une chance sur 226, mec. T'imagines? La horde de gargouilles. La horde de gargouilles. Si c'est jaune, c'est une chance sur 247. Donc en vrai, quoi qu'il arrive, celle-là, c'est ma carte la plus rare. Parce qu'une chance sur 247 jaune, c'est plus rare qu'une chance sur 226. Et par contre, si c'est une orange, j'arrive pas à savoir si c'est une orange, c'est une chance sur 493. Mais je pense que c'est une jaune en vrai. Ok, on continue. Et du coup, ça veut dire qu'on a encore une légendaire normalement qui se balade quelque part. Donc on devrait encore vibrer. On rappelle en légendaire, j'aimerais bien du méga chevalier. Princesse, sorcier de glace ou cimetière. Allez là, régale-moi poteau. Ok, le barbare d'élite en rose. Je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre. On sort d'une très grosse carte. Donc un petit Larry vert. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais en vrai, c'est trop bien parce qu'il y a tellement de raretés différentes, frérot. Mais c'est juste vraiment très rare, quoi. Faut ouvrir vraiment beaucoup, beaucoup de boosters pour vibrer. Paf! Allez, c'est parti. Ouvre la dernière. Mais mec, j'avoue que la légendaire, j'ai l'impression, elle va être dans le dernier booster. Tellement, il reste plus que 7 boosters. Hein. Il y en avait 48. La légendaire, elle va être dans le dernier booster que j'ai ouvert. Elle me fuit, quoi. Ok, esprit de glace. Fuit à squelette. Archer. Tesla. Et derrière, on a de l'esprit de feu en indigo. Et une petite roquette. Force à toi, mon ref. Merci, mon petit Sinan. Merci, Hugo, pour tes 5 euros. Prends, Bobby. Oh, Bobby, l'époque, frérot. L'époque où j'ouvrais des... Mec, à l'époque, je prenais Bobby sur ma tête. Attends, mais j'avoue, je vais prendre Bobby. Non, mais en vrai, j'avoue, je suis obligé de prendre Bobby. Je suis obligé de prendre Bobby. Là, c'est un vrai pack opening. Là, c'est un vrai pack opening. T'as l'époque.
Mec, à l'époque, je faisais des packs opening sur le jeu Clash Royale. Maintenant, je fais des packs opening sur les cartes Clash Royale. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Allez, on continue, les gars. Eh, il n'y a plus beaucoup. 3, 4, 5. Il reste 7 boosters. Je rigole si on a la légendaire dans le dernier. Et je pleure si on n'en a pas. Imagine, j'en ai pas en vrai. Non, je chiale, je te jure, je chiale. Ok, c'est parti. Du gobelin. Mon théma, mon pouce là. J'ai trop mal à cet endroit du pouce. Je me suis rongé le pouce. Allez, du gobelin. Du barbare. Esprit de feu. Mortier. Derrière, attention. Ok, du gang de gobelins, mais en rose. C'est pas une rareté de fou. Et du mini PK. Pas de problème. Et ben, il reste plus que 6 boosters. Et en vrai, c'est le dernier pack qu'on ouvrira dans ce live, les gars. Les prochains packs, on les garde pour d'autres concepts ou d'autres ouvertures. En vrai, il reste tellement, tellement de boosters. Mais mon rêve, moi, c'est avoir une carte rouge. Une commune rouge, j'aimerais trop en avoir une. Ou une carte avec la surbrillance j'aime. J'aimerais trop en avoir une aussi. C'est vraiment rare. Ok. Chevalier. Bombardier. Gobelin lance. Zap. Allez, allez, la légendaire là. Ouh, armée de squelette épique, ça fait plaise. Ça fait plaise, les gars, je suis content. Ok, armée de squelette épique que j'avais pas encore une fois. Putain, je suis content. En vrai, les épiques là, on commence à en avoir pas mal. Hein. Attends, j'ai plus de. Putain, j'ai plus de grosse protection. Ok, bon, je mettrai plus tard sous grosse protection. Oh là là, l'armée de squelette. Qui est dans mon deck en plus. L'armée de squelette, elle est dans mon deck, donc c'est une carte que j'aime beaucoup. Je l'ai niveau max sur le jeu. Je t'avoue, c'est une carte que j'aime bien. Allez, Bobby, là. Non, mais en vrai, je vais avoir la légendaire en dernier, c'est obligé. Mais tu sais quoi, j'espère qu'on va avoir la légendaire au dernier booster. Parce qu'en vrai, c'est marrant. En vrai, tu sais quoi, c'est marrant. Squelette. Horde de gargouille, barbare d'élite, gang de gobelins, les chauves-souris en rose et la tour à bombe. Ok, très bien, très bien. Pas un booster de fou. Mais attends, mais c'est un truc de ouf là. Il me reste 4 boosters. Et B. Dur à ranger ce soir. J'avoue que mec, là je vais avoir. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va aller vite. Ça va aller vite. Ok. Bûche, prochain booster. En vrai, la bûche, c'est une bonne légendaire aussi. Mais ah, j'aimerais bien voir mon cimetière, moi. Les flèches. Le géant royal. Je sais pas s'il y a une légendaire, mais s'il y a une légendaire, je veux du cimetière, bordel. Ou du mortier en indigo. Ok. Le mortier, je t'avoue, je peux plus me le piffrer. J'ai l'impression que c'est la carte que j'ai eu le plus. C'est le mortier, hein. Je peux plus me le piffrer, j'ai dit. Mais attends, frère. Je viens de dire une vraie expression de daron, là. On est d'accord? Je peux plus me le piffrer. C'est daron qui dit ça. On est d'accord? Je peux plus me le piffrer. C'est un daron qui parle comme ça. Il reste 3 boosters, les gars. Et je commence à avoir peur. Hein. En vrai, de vrai, sachez que c'est écrit légendaire garantie sur le pack. Je commence à flipper. Hein. Parce que il me reste 3 boosters. Déjà, moi, j'espérais casser un peu le quota et pourquoi pas avoir 2 légendaires, tu vois. Surtout que j'ai eu une légendaire quand j'ai ouvert le pack de 24. Donc, je me dis, dans le pack de 48, je peux en avoir 2 peut-être si j'ai de la chance. Là, là il me reste 3 boosters. Pour l'instant, la légendaire, elle me fait peur. Hein. Barbare, esprit de feu, mortier. Allez, poteau. Mec, il reste 3 boosters. Ouh, mais je suis un chatteux, frère. Je suis un chatteux. Oh, c'est la légendaire que je voulais, les gars. C'est la légendaire que je voulais. Merci, Bobby. Oh, bordel. Oh, let's go. Ma deuxième légendaire, le méga chevalier. Très belle légendaire, ça. Ça, c'est une grosse carte. Oh, ça fait plaisir. J'étais même pas sûr qu'il était dans le jeu. Oh.
Frérot, le méga chevalier. Frérot, le méga chevalier. Je l'ai. Oh, je suis content. Je suis con... En vrai, j'ai eu deux bonnes légendaires. Hein. Oh, j'ai eu deux très très bonnes cartes. Ok, donc, ça va. La légendaire garantie, ça a été respecté. C'est pas la dernière carte que j'ai eue, du coup. Enfin, c'est pas... Je l'ai pas eue dans le dernier booster, mais... Je l'ai eu dans les trois derniers boosters. Mec, rends-toi compte. Elle m'a vraiment fui cette carte. Mais au moins, on y a cru jusqu'au bout. Et ça, c'est beau. On a eu le méga chevalier, frère. Je le voulais. Je le voulais, le méga chevalier. Je le voulais. Je suis trop content. Mec, je suis refait. Je suis trop content, vraiment. Ok, c'est parti. Les flèches. Le géant royal. Du canon. L'esprit de glace, attention derrière. Ok, on a les barbares en indigo et du géant. Ah, c'est bon, là j'ai eu mon méga chevalier. Mec, on a eu deux légendaires. N'empêche, c'est vraiment dur par contre d'avoir une carte légendaire. C'est vraiment dur. Alors, imagine là, j'ouvre plus tard une nouvelle carte légendaire et c'est une que j'ai déjà. Je serais limite un peu deg, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je serais un peu en mode, frérot, c'est cool, mais. Mais voilà, quoi. J'aurais bien aimé toutes les avoir. Surtout qu'il y a quand même pas mal de légendaires dans le jeu. Eh ben, les amis, dernier booster. On sait jamais, Bobby. Bobby, donne-moi ta force. On sait jamais, on peut vibrer sur ce dernier booster. Peut-être une troisième légendaire? Qui sait? Peut-être une commune verte? Je crois même il y a des communes bleues. Commune bleue, c'est un peu moins rare. On sait pas. On sait pas. Bon, on va pas s'enjailler. Déjà, on a eu un très bon pack. Ok. Du feu à squelette. Archer. Tesla. Oh merde, j'ai spoil. Oh. C'était le pire dernier booster. J'ai spoil. Et en plus, c'est des squelettes roses. Ok. Peut-être la rare, on va vibrer. J'en sais rien. Une rare que j'ai jamais eue. Non, les trois mousquetaires, je les ai déjà eues. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai eu toutes les rares. Les communes, c'est certain, je les ai toutes eues. Je pense que je les ai peut-être pas toutes en rose et en violette. Faudrait que je regarde. Bah, de toute façon, on va faire l'inventaire, les gars. Hein. On va faire l'inventaire. On a terminé. Ça en est terminé pour ce gros pack. Ça fait plaisir. En vrai, En vrai, ils ont pas menti. Légendaire garantie. On a eu le petit Larry 33 sur 99 et la boule de feu 32 sur 50. Poto. On a eu trois très très bonnes cartes. On a eu beaucoup d'épiques. Armée de squelettes, gel, poison, géant squelette, Arc-X, la sorcière. Et je crois que c'est tout. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ça fait 6 épiques, une légendaire. Et deux cartes un peu autres, un peu différentes. C'est honnêtement un très bon pack opening. C'était une bonne display, je pense qu'on peut dire. On peut dire que c'était une bonne display. Et ben les gars, ça fait plaisir. Est-ce qu'on ferait pas un petit inventaire? Savoir ce que j'ai eu. On va voir un petit peu ce que j'ai eu. Bao! Oh Yuki, pardon, je t'ai écrasé la patte. Ok. Du coup, les deux légendaires que j'ai, c'est pas mal. C'est pas mal. On a eu deux petites légendaires. Voilà. En épique, on a eu un seul double. C'est le frérot, le PK. C'est le seul qu'on a en deux fois. Mais du coup, on a pas mal d'épiques différentes. On a pas mal d'épiques différentes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc ça veut dire que j'ai neuf épiques différentes. Deux légendaires différentes. J'ai 11 cartes différentes pour l'instant. C'est pas mal du tout. Fais voir le méga chevalier, c'est la carte combien? C'est la carte 79. Et lui, c'est la carte 82. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 85 cartes différentes dans le jeu. En vrai, ça doit être ça, hein. Il doit y avoir à peu près 85 cartes. Là, pour l'instant, j'en ai 11. J'en ai 11. C'est pas mal. On a eu ça, c'est mes trois petits trophées, t'as vu? C'est les cartes un peu uniques. Mes trois petits trophées. Je suis trop content. En rare, je pense que les rares, je pense qu'on les a toutes. Je vais voir, on a combien de rares différentes? 3, 4. Attends, je vais mettre tout ça sur le tech. Pour l'instant, il y a 4 rares différentes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, attends, wesh.
La Valkyrie, je l'ai déjà mis. Le gobelin, Sarbacane, hein, je l'ai déjà mis. Ça, je crois que je l'ai pas mis. Ça, je sais pas si je l'ai mis. La boule de feu, je crois que je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. J'ai mis. J'ai mis. J'ai pas mis. J'ai mis. J'ai pas mis. J'ai mis. J'ai pas mis. J'essaye de trier, mais il y a moyen que j'ai mis des cartes en double. Hein. On va voir. Je crois que j'ai pas mis. Tac. Et là, je crois que c'est que des cartes en double que j'ai déjà mises. Ouais. Attendez, faites voir. En vrai, il y a pas mal de cartes de rares différentes, hein. Bordel! La méga, tu l'as mis en double. Il y a moyen. Vous me dites si vous voyez un double, hein. Ouais, la méga gargouille, j'avoue que je l'ai mis en double. Ok, attendez, je refais. Mousquetaire, méga gargouille. Vous me dites si vous voyez une carte en double. Non, il n'y en a plus d'autres là. Du coup, des rares différentes, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois. Mec, en vrai, j'ai 23 rares différentes, c'est énorme! C'est énorme, donc 23 plus les épiques et les légendaires 11, ça veut dire que je suis à 34 cartes différentes sur à peu près, on va dire à peu près 85, plus les communes, on a déjà bien agrandi la collection. Ouais, je pense qu'il manque, c'est ça en fait, c'est sûr, il manque quelques épiques et pas mal de légendaires. Mais voilà. Hein. Ok, attendez, les communes. Je vais regarder les communes roses et violettes ce que j'ai. Mec, j'en ai tellement bien. J'en ai tellement beaucoup. Ça, déjà, c'est rose. Là, je vais trier rose et violet. Tac. 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 Indigo. Rose. Indigo. Putain, c'est long. Hop, 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 hop. Bon, les gars, c'est un peu moins drôle là ce que je fais. Je vous avoue, je suis en train de trier. Bon, je fais un petit inventaire quoi. Je suis curieux de savoir. Paf, 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 paf. Putain, j'ai pas mal de. Waouh, le nombre de cartes roses que j'ai. Le nombre de cartes roses que j'ai, mec. Je pense que j'ai à peu près toutes les communes, non? Il y a combien de communes différentes? J'ai pas compté. J'ai pas fait gaffe à il y avait combien de communes différentes. Déjà, je vais regarder en rose. J'ai les chauves-souris, le gang de gobelins, squelette, zap, bombardier, chevalier, horde de gargouilles, esprit de feu, barbare. Putain, mais c'est que des trucs différents là. Chauves-souris, j'ai déjà mis. Mortier, je crois, j'ai déjà mis. Glace, je sais pas. Gobelin. Gargouille, Tesla. Hop, flèche, canon. Il y a moyen, j'ai mis beaucoup de fois les mêmes cartes. Mais c'est pour trier un petit peu. Dites-moi, les gars, si vous voyez des doubles. Si vous repérez un double, vous me dites. Je crois que la horde de gargouilles, elle est en double. Et le gang de gobelins, il est en double. Et je crois le zap aussi. Si je croise un zap et une horde de gargouilles, c'est que c'est en double. Ah non. Non, c'est carré. C'est carré là, il n'y a plus de double. Il y a 106 cartes, wesh. Oui, sur Clash Royale. Mais en 2018, là, les gars. Là, c'est les cartes en 2018. Donc j'en ai une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. J'ai 21 communes en rose. Vous voyez une commune que j'ai pas en rose? Genre une carte commune classique qu'on a eue mais que j'ai pas en rose? Je crois pas, hein. Je crois, les gars, toutes les communes, je les ai toutes, hein.
Je crois que je les ai toutes en rose. Je vais regarder un peu. Je crois qu'il y a 21 communes différentes et je les ai toutes en rose. Ah, je vois pas de communes que j'ai pas. Les trois zaps. Comment ça, les trois zaps? L'esprit électrique. Ouais, mais tu vois, par exemple, l'esprit électrique, il n'existe pas en commune. Sinon, je l'aurais eu, c'est sûr. C'est sûr, mec, sur toutes les cartes que j'ai eues. Les gargouilles, si, j'ai vu, hein. Les gargouilles, je les ai. J'ai la route de gargouilles aussi. Si je dis pas de conneries, j'ai les gargouilles, non? Ah non. J'ai pas les gargouilles en rose. Jure. J'ai pas les gargouilles roses. Si, elles sont là. Boule de neige, ouais, mais je pense qu'elle y est pas. Les gardes, bah les gardes, c'est une épique. Ouais, non, en vrai, c'est ça. Hein. Je pense que j'ai toutes les communes en rose. Et par contre, en violette, je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite, poteau. En violette, j'ai le zap. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, donc déjà, il en manque, c'est sûr, parce qu'il y a 21 cartes différentes. Et en plus, j'ai le mortier en double. J'ai... Bah, c'est tout, je crois. Le bombardier, peut-être. Non, j'ai juste le mortier en double. Ouais, en vrai, j'ai pas mal, hein. En vrai, j'ai pas mal de cartes différentes, hein. Bordel. Ça fait plaisir. Il y a que le mortier que j'ai en double. Là, il y a mes trois cartes, là. Putain, ça fait une belle collection. Ah, merde, vous voyez pas trop, en fait. Attendez, je vais réorganiser tout ça. Tac. Regardez un petit peu ma petite collection. Mes rares. Mes épiques. Mes légendaires. Mes communes roses. Je les ai toutes. Les communes violettes, je les ai pas encore toutes. Là, il y a mon trio de cartes un peu rares. Et après, bah après j'ai un gros tas de communes. Hein. Après, les gars, j'ai un tas de communes comme ça. Je vais pas vous mytho. Je pense que j'ai un peu toutes les communes. Je pense qu'on a fait le tour et que j'ai toutes les communes du jeu. Et bah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il manque des épiques et des légendaires, quoi. Il manque des épiques et des légendaires. Certaines communes en violette. Et après, je sais qu'il y a la rareté rouge, la rareté bleue, la rareté orange. Il manque encore pas mal de trucs, mais c'est hyper dur à voir, donc je sais même pas si on en aura un jour. Mais voilà. Et ben les gars, merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi ce live, j'espère que vous avez kiffé. Vous en avez pensé quoi, le chat? Honnêtement, vous avez kiffé ou pas? Il te manque le chevaucheur de cochon. Non, je l'ai. Je l'ai pas mis dans mes rares. Ah, peut-être je l'ai pas mis dans mes rares. Si, il y est, il y est, il y est, il y est. C'est Corda, oui, c'était trop bien, trop cool, trop bien, c'était cool, GG, et bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars, si vous avez kiffé, en vrai, je suis content. Moi, j'avais trop hâte de recevoir et de découvrir un peu l'univers des cartes, des boosters Clash Royale. En vrai, il y a pas mal de concepts de vidéos marrantes ou quoi à faire avec ça. Et même, les gars, j'ai encore... j'ai encore pas mal à ouvrir. On a encore pas mal à ouvrir. En plus, c'est hyper compact. Il y a pas mal de boosters. Là, dans tout ça, dites-vous, il y a... Là, il y a quasiment 100 boosters. Là, 200. Attends. 200. 300. 320. 330. J'ai encore à peu près 350 boosters à ouvrir. Donc, selon les probabilités, on devrait encore avoir quelques légendaires. On devrait avoir encore pas mal d'épiques. Peut-être une carte de rareté orange, de rareté bleue. Enfin, voilà, on a encore pas mal de trucs à découvrir. Bref, des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce live. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo en prochaine. Bah, à demain matin, en fait. Les gars, demain, 11h15, nouvelle vidéo. Et demain, la vidéo de 11h15, j'ai hâte qu'elle sorte. J'ai hâte que vous la voyez parce que je la kiffe.
Je la kiffe, je la trouve trop drôle. Et voilà, des gros bisous les gars, à bientôt. Merci d'avoir suivi le live. Vous êtes les giga boss. Mouah ! Bisous le chat ! Bisous !